Hey yo les gars, Nounou qui envoie le meilleur sub au meilleur moment. Pa, 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 pa. Les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien ce soir. Il y a du zéro tolérance, il y a du rouge sang, il y a du beau. La régie, je m'entends en retour, il doit avoir un petit problème quelque part, si tu peux me couper. Salut Mela, salut Nefelia, Chat du Chaos, Mulot, Zahu. Il y a du beau monde. Ouais, c'est bon la régie. Vous savez pourquoi vous êtes là ce soir, mesdames et messieurs. Vous voulez du sel. Nargit la pucelle. Bonsoir Jake, ici la purge. Voilà, j'ai vu ta vidéo, hein. Votre vidéo, les gars. L'ONR, ça fait plaisir. Valkyrie qui est là. Agency, attention. Biscuit, merci pour le sub biscuit, ça fait extrêmement plaisir. Ça va tringler sa mère, Sandwich Triangle, ça donne. Bonsoir Sandwich Triangle. Dragony qui est là, le vrai. Tarna, Chamou, Vidal, El Glitcho, yo le CTS. Il y a de l'écho, effectivement la régie, peut-être que c'est le retour, le stream peut-être. Est-ce que t'as le stream avec le son? Biscuit qui a pris un abonnement, Jérôme qui a pris un abonnement. Oui c'est moi, le grand Rapunzel. Je crois qu'on est bon. Ouais. Hitman 2B, ce serait pas L'Oréal ça par hasard. Salut Hitman, salut Tokyo, je crois que je l'ai déjà dit. La régie on est bon? Ah la régie va revenir, ok. On est bon, salut. Les gars, s'il vous plaît. Léo 30K, ils doivent nous haïr, on devait le recevoir. Eh, un sub, un utilisateur anonyme qui envoie des subs, ça fait extrêmement plaisir, il y a du bon monde ce soir. Il y a de la N7. Les gars, je vois pas de missile en fait, il y a un problème. Rouge, sang, infini, il y a des missiles partout les gars. Meta qui envoie son abonnement. Mais rebalance la musique la régie, je suis tellement chaud mesdames et messieurs. Il y a des missiles partout, voilà, ça c'est beau, voilà. Envoyez un peu aussi les émoticônes de votre orga s'il vous plaît. Voilà, Monsieur Trash, Mister Trash, il sait comment faire. Jay qui soutient le CTS, je veux du popcorn. Les gars, vous savez que c'est l'émission du popcorn, du sel, il y a à boire et à manger ici, vous le savez. Ça fait extrêmement longtemps qu'on a... Shkiruloulou qui chope son abo, ça fait plaisir, Jérôme, merci. Merci les gars, Jolrag, le vrai, il est là, il est présent, Max, Sledgehammer, Xahu qui envoie des billets. Les gars, on est bien là, on est très très bien. Il y a du beau monde. Fenirius, vous nous hypez, montez, excellent, Graffi. Les gars, en fait c'est une soirée dédicace ce soir. Bon, pourquoi il y a autant de monde ce soir, vous le savez, on va recevoir du beau monde. Voilà, on va recevoir... qui on va recevoir? On va recevoir Zéro Tolérance. Pas pour son rapport disciplinaire cette fois-ci, pour une nouvelle action de Zéro. On va recevoir Silmerias, attention, l'un des grands chefs des Frogs. Merci Ninouf, t'es un ouf, t'es un grand malade. Immense merci à toi Ninouf, ça fait extrêmement plaisir. Mais les gars, vous êtes des... Meta, tu fais rêver. Eh les gars, Ninou fait Meta, vous avez tué le mur en fait. Vous voulez faire tomber la connexion, vous faire tomber le plateau, mesdames et messieurs. Avland, Franck, vous êtes chaud de ouf. Hein. Donc, on reçoit Zéro Tolérance, Filmerias. On va recevoir, mesdames et messieurs, sachez-le, Sophie Pinmi, grande joueuse de Star Citizen. Elle va nous expliquer un peu sa vision du dogfight. On va recevoir Rafistolage. Oh, merci, Ninouf, t'es un ouf. Jake, tu fais chier, le chat va trop vite. Mais ouais, mais les gars, mais je vous expliquais pour faire ralentir le chat, j'ai des techniques, vous inquiétez pas. On va aussi recevoir Rashquit, et peut-être bien d'autres, il y aura des petites surprises. Vous savez pourquoi vous êtes là, c'est marqué dans le titre. Ouais, la régie. Quel est le bug, la régie? Sophie, tu me fais... Oh, Tokyo. La régie. Chèvre. Attendez. Oui, la régie. C'est Ninouf, le psychopathe, qui offre tout ça. Chèvre, salut Chèvre, ça fait longtemps, ça fait extrêmement plaisir de te revoir sur le live. On est bon. Les gars, c'est bon, on peut commencer l'émission? Parce que vous êtes venus pour ça, en fait. Voilà, vous le savez. Merci Urban Miles pour le soutien du CTS. Sophie Panmi qui est là. Sledgehammer qui envoie ses plus beaux subs. Biscuit qui renvoie... C'est une bataille de subs ce soir. La régie qui me dit... Eh gros, il y a un bug, en fait, parce qu'on est passé de 16 subs à 100. Non, les gars, c'est la vérité. Alors, donc vous savez, voilà, on va parler de Zéro Tolérance, de son transfert chez les Frog Swarm. Merci Tarna, avec ton plus gros prime, ça fait extrêmement plaisir. Jay, je sais pas, ah ouais, le train de la hype, ouais, on est des ouf. On va parler de l'histoire un peu Fagal Sard, vous l'avez suivi sur notre Discord. Les gars, vous savez que tout se passe sur notre Discord maintenant. Donc, point d'exclamation, Discord,
Bam, vous venez sur notre Discord, il y a toutes les infos, il y a toutes les derniers sujets. Voilà, il faut savoir que c'est un peu devenu un carrefour en ce moment, le Discord. Donc c'est the place to be, il faut vraiment y être. Merci Actarus, merci beaucoup. Eh mais vous êtes des ouf ou quoi? Eh vous étiez en manque de CTS, c'est normal. Voilà, on a fait un peu les mecs, annulés, pas annulés. Mais je pense qu'on va recevoir zéro tolérance parce qu'il est déjà 21h12, les gars. Et je sais que vous attendez déjà depuis un petit moment les CTS. La régie, je te donne le feu vert pour recevoir zéro tolérance. Il va nous expliquer pour quelles raisons il vient sur le plateau, pourquoi il s'exprime. On le remercie aussi parce qu'il a raid toute sa commu, tous ses viewers. Merci l'utilisateur anonyme. 113, mais vous êtes des fous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Nargic, mon popcorn est froid. Nargic, je suis désolé. On va essayer de s'associer avec une société de popcorn pour vous envoyer des popcorns tout chauds, sachez-le. J'ai beaucoup parlé, je bois du iced tea, voilà, il y a des placements de produits. Vous avez fait vos mijaurées? Oui, j'ai un problème perso, les Marseillais. Ah, bon allez, mesdames et messieurs, je bois un coup, une petite seconde, vous allez voir ce que vous allez voir dans quelques secondes. Allez, concentre-toi, fais ton émission. Non, mais je suis très concentré, ça va bien en plus. La régie, attention, nous allons recevoir zéro tolérance. Streamer de la communauté française sur Star Citizen. Ou l'inverse, peu importe, vous m'avez compris. Sledgehammer m'a compris en tout cas. Attention, mesdames et messieurs, dans quelques secondes. Zéro tolérance sur le plateau en direct. Il apparaît pas, il est là. Yo Zéro, comment tu vas? Salut les gars, très bien et toi ma mère? Bah écoute, mec, déjà je remercie Glorik pour le petit abonnement qui fait extrêmement plaisir. Et t'es toujours le bienvenu et ça fait toujours extrêmement plaisir de te recevoir. Parce que Bah quand tu écoute. viens, il se passe quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ah! Ah! Il se passe des Voilà. trucs. T'es un peu la tête d'affiche du CTS, il faut le savoir. La Ah! star, voilà, Sérieux? exactement. Arrête! Ouais, Arrête! attends, c'est Hey, Drake. dis pas ça parce que par contre, ça c'est vraiment beaucoup trop d'honneur. Non, non, non. Ben, Vraiment. alors, regarde derrière toi, regarde le mur. S'il y a autant de missiles, c'est par ta faute. Donc, si c'est Ah! pas legit ou. Enfin, voilà, c'est ta communauté, tu gères. Hein. Le PVP, nous, on n'aime pas trop, tu vois. Bah merci mec, écoute, c'est beaucoup trop d'honneur en vrai. Hein. Non, tranquille. Merci, merci, Biscuit. Merci Biscuit, vraiment les gars, franchement vous faites rêver. Les Fagals qui soutiennent le CTS, ça fait rêver. Le mur il survit à 12 FPS en vrai. C'est le mur de la 3.0, voilà, sachez-le. Drama nourris-moi. Vous êtes des ouf, putain. Alors Zéro, est-ce que tu veux te représenter? Non, t'es une resta, on ne te présente plus. Pourquoi tu es là ce soir? Pourquoi tu viens sur le plateau du CTS? Alors en fait déjà je suis pas du tout une star du tout, je suis un streamer random hein, franchement, sérieusement, genre je suis même le streamer anti-streamer, Ouais. je vais dire ça à partir de maintenant. Ok. Ce que je viens expliquer ce soir, bah c'est ma venue chez les Frogs, le fait que moi et mon roster, moi et ma famille ayons rejoint la Frog Swarm, donc les vrais hommes. Full testostérone, la meilleure corpo francophone. Ok. Ouais, Donc, c'est hein. si je dis pas de bêtises, tu étais dans la Inner Circle et toi Ouais. et plusieurs. T'es le fondateur, c'est ça, de la Inner Circle? Alors, en fait, Inner Circle, oui, je suis le fondateur d'Inner Circle et comme son nom l'indique, moi, je suis pas, j'ai pas du tout la prétention de faire une corpo parce que je sais à quel point enfin, faut avoir les épaules pour faire une corpo. Surtout dans un jeu sandbox axé PVP dans lequel il faut gérer des alliances et comme toi-même tu sais Jake, je suis pas très bien pour la je suis pas très bon pour la diplo etc. Ça fait de moi un très mauvais tu vois ça fait de moi un très mauvais chef de corpo. Par contre je suis un bon fleet manager, c'est-à-dire que je suis dans l'instant présent, voilà, je vais annoncer les focus, je vais annoncer les tactiques. Ok. Et Inner Circle, bah, comme son nom l'indique, c'est un petit roster en fait. Ça a jamais été la, ça a jamais, on n'a jamais eu la prétention d'être une vraie corpo, mais plus un petit groupe de joueurs orientés tryhard PVP. Et voilà ce que c'est la Inner Circle, enfin, du moins ce Ok, que c'était. d'accord. La régie, juste pour te dire, j'ai un tout petit retour. Je sais pas si c'est dans le Discord, si on entend le retour dans un micro. Ou... Ah, ok. Biscuit, merci. Non, mais Biscuit, t'es un ouf ce soir. Eh, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Encore GG à Biscuit, vraiment. Il y avait Turbor, Turbor. Hi, bro. Next time, it's you. In the studio, ok? I contact you later. Soon. Oh, attends, tu connais l'anglais, voilà, on est là. Sophie Panmi qui est là, qui est présente. Ce soir, elle passe aussi. Attention, Sophie Panmi en exclusivité. Je crois qu'il y a aussi Sandwich Triangle aussi qui va passer. Du beau monde, voilà.
Alors, tu disais, donc toi, tu serais plus un peu, voilà, fleet leader, c'est ça. Oh là là, méta, merci beaucoup, les gars, vraiment, putain, vous êtes chaud, ça fait extrêmement plaisir, les gars. Lolo qui chope son soutien, ça fait extrêmement plaisir aussi. Petite dédicace à la DB qui fait plaisir. Ok, d'accord. Ouais, donc du coup, est-ce que tu as été recruté en tant que simple membre ou tu as eu un grade? Comment ça se passe pour être recruté actuellement là chez les Alors, Frogs? j'ai pas du tout été recruté, en fait. Faut savoir que les Frogs et moi, on joue ensemble au foot, sans le savoir, depuis plusieurs années. Sauf que la balle est un streamer famous, et en fait, on fait du foot multigaming. C'est-à-dire que on a les mêmes ennemis, entre guillemets, sur SC, et moi, j'ai connu les Frogs tout simplement à travers ça, parce qu'on avait les mêmes ennemis. Ok. Et j'ai connu les Frogs. Vas-y, je te laisse gérer ton abo, Ah non, si mais y a tu veux. trop d'abos, mais attends, Ouais, Ninouf, vas-y. Hein. non mais attends, Ninouf, le mec, il place ses pions, tu vois, c'est un peu le Bitcoin, il envoie des Bitcoins, il est en train de racheter le CTS en direct. Mais bon, bah, il fait ce qu'il veut, hein. Après, il va prendre la place, il va prendre la place, clairement. Ouais, donc tu disais, Donc. tu allais vers les frogs naturellement, en fait. Ouais, c'est moi qui suis allé vers les Frogs à la base pour faire une alliance. D'ailleurs, alliance qui aurait pris forme, je pense, mais bon, le serveur machine, on n'y est pas encore. Et en Ouais. fait, à force de côtoyer tout simplement le Discord des Frogs, à force de côtoyer les Frogs, de me renseigner, parce que je me suis vachement renseigné en fait, l'histoire des Frogs, bah vous connaissez peut-être, pour ceux qui connaissent, ils ont une histoire assez passionnante, enfin moi je trouve, sur Evenline, enfin j'ai été happé par cette histoire un peu comme si Bien je sûr. regardais un bouquin. Bien Si tu sûr. veux, je te jure, c'est la vérité. J'ai même regardé des vieux posts sur jeu online qui datent de 2004, quoi. Enfin, de 2006 ou des trucs comme ça, tu sais. Enfin, bref. Et j'ai regardé un petit peu leur histoire comme si je regardais Game of Thrones, en fait, quoi, si tu veux. Et je suis un peu tombé amoureux. J'ai trouvé leur mentalité très bonne. Et on est à peu près les. On est raccord, en fait, sur presque tous les sujets, quoi. Donc. Ok. Au lieu de me proposer en tant qu'alliance, j'ai décidé en fait de carrément rejoindre les Frogs. Et Silmarias m'a donné le grade de Fleet Leader, donc chez les Frogs. D'accord, ok. Bah écoute, très beau transfert. On va essayer de gratter un peu voilà, le salaire, le montant du transfert pendant l'émission. Je vois, merci encore, Biscuit. T'es un ouf. Monte Cristo qui dit on ne se fait pas recruter par les Frogs, on va vers eux. En fait, on adhère au projet Frog, en fait, c'est un peu ça le truc. Ouais, bah, ouais c'est un peu ça, hein, clairement. Ouais. Ouais, tu vas vers eux, c'est ça. Moi, j'ai passé le service de recrutement tout à fait comme n'importe qui peut le faire. Enfin, moi, je Ouais. suis tout à fait Alors, recrue. est-ce que tu as eu des questions un peu particulières, un peu interview, un peu garde à Ouais, vue? À ce qui paraît, c'est bah, des rumeurs, tu si tu vois. veux, j'ai dû installer des logiciels chelous sur mon PC. Ah, ça, on y reviendra après, ça. Ouais, bah depuis, tu vois, je peux plus trop faire grand-chose, je suis fliqué, tu vois. Non, mais pas du tout. Ça s'est fait absolument naturellement. Les mecs sont adorables, on a bien rigolé. Voilà, quoi, ça s'est fait carrément naturellement. On est passé par le service de SSO, enfin leur service de recrutement qui est tout à fait Ok, normal. Après, ok. voilà, ça s'est fait. C'est vraiment des bons gars. Enfin, voilà, tu. Ok, c'est pas les Mais grands bon. monstres et les mangeurs d'enfants qu'on peut imaginer selon les rumeurs. C'est vraiment Ah des si. joueurs. Ah si, Ah ah bien sûr pardon. que si. Ah Ah oui, il bah bien sûr faut. que si. Oui. Attends. Ah bah attends mec. Sinon je serais pas chez eux non plus. Si si. Bien sûr qu'on mange des enfants. Bien sûr qu'on mange des enfants. Non mais je rigole. Déjà je parlerai pas au nom des Frogs. Hein. Sérieux. Frog c'est un truc qui existe depuis 2006. Donc déjà Non, mais voilà. Tu vois. on va recevoir Voilà. Sigmé dans quelques secondes. Ouais. La régie, si tu veux, je te laisse le préparer. J'ai vu un sub de Neo Delta, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup, mec. Copix qui est là. On a du beau monde ce soir. Et donc, tu disais, et les biches, quoi? Biscuit, mais biscuit, quand est-ce que cela va s'arrêter? Quand est-ce que cela va s'arrêter? Les enfants, on les déguste avec un très bon Kilanti. Qu'est-ce que je veux dire, Zéro? Donc, tes gars sûrs t'ont suivi, hein, c'est bien ça. Hein. Bah ouais, ma famille la plus proche m'a suivi. Après, vous savez, Star Citizen, c'est un projet sur le long terme. Mais en tout cas, les tryharders et ma famille proche m'a suivi dans la Frog Swarm, tout à fait. Mais Alors, d'ailleurs, tout le monde peut le faire. combien de membres ont suivi? Une dizaine à peu près, Ok. non, moins que ça, entre, je sais pas, entre 5 et 10, tu vois. Ok.
Et t'as encore des membres qui sont restés dans l'Inner Circle? L'Inner Circle est toujours vivante ou pas? Alors, en fait, bah, comme tout le monde, bah, comme toutes les corpos, hein, sur Star Citizen, il y a des stades. Des fois, Inner Circle, on va être une vingtaine in-game. Des fois, bah, comme maintenant, on est complètement tous dispersés. Moi, je suis sur Evenline, j'ai un Ouais. pote qui est sur Valheim, Tokyo, il tryhard Escape from Tarkov. On est tous dispersés parce que Star Citizen, actuellement, le patch est un peu pourri. Mais quand on est tous réunis, on est une bonne vingtaine, mais 20 mecs soudés, quoi. 20 mecs soudés. Ok. Roster qui écoute les calls et qui font ce qu'il faut quoi. Et m'amène ton suivi, mon gars. Et ça fait extrêmement plaisir. Ouais. Merci aussi. Mais là, merci pour la bosse. Ça fait extrêmement plaisir. Les gars, j'ai un scoop. En fait, Zero est un spy d'Inner Circle qui spy la Frog. Jean Rag, Tout ne à spoil fait. pas comme ça, on va le C'est dire. ça, c'est ça, ouais. Putain. La régie, dis-moi où tu en es. J'ai tout. Ah merde, on va un peu aménager le direct là, il y a un petit bug de caméra. Qu'est-ce que je voulais te dire de plus? Donc tu penses que c'est bon, tu vas coller avec l'ambiance Frog Swarm? Bah écoute, moi, tout ce que je demande, c'est de taper des mecs in-game. Mais vraiment, genre, tout ce que je demande, c'est faire du PVP on-game. Ah, C'est je voulais faire te du demander. on-game dans Star Citizen, quoi. Ouais, Donc. je... Pardon, vas-y, termine, vas-y, termine. Merci, Rafi. Non, mais vas-y, Ouais. c'était un truc. Bah, je voulais te demander, Ouais. est-ce que le fait que tu sois maintenant Frog, et que on peut t'apparenter à un streamer Frog, est-ce que bah, ça va changer, je sais pas, ton style de stream, ton approche avec, je sais pas, avec la communauté, comment ça se passe? Alors, ça c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien ta question, mec. Ah, bah écoute. Ça c'est une excellente question parce que en fait, moi je veux surtout pas que le stream soit apparenté à les fro aux frogs ou quoi que ce soit. Moi je suis un membre des frogs. Point barre. Ok. C'est ouais. Non, vas-y, je t'écoute, vas-y, je t'écoute. Moi, je suis juste un membre des frogs.org. Déjà, je suis un membre tout nouveau, tu vois. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un truc, c'est une unité, enfin, c'est une corpo qui existe depuis 2006, les frogs. Donc, qu'est-ce que tu veux, mec? Je suis là en 2021, tu vois. Donc, Ok. voilà. Je ne représente rien du tout. Moi, je suis le mouvement. Je me sens frog. Mon stream, on en a déjà parlé avec Silmarias. Pour lui, il n'y a aucun problème. Ok. Quand tu auras des grosses OP, il y aura bien évidemment du délai sur le stream. Mais voilà, je veux pas du tout que le stream soit le stream des frogs. C'est pas Ouais. ça du tout. Déjà parce que un, moi, je suis quelqu'un d'assez nature. Hein, donc si je dis que par exemple je pense quelque chose d'un sujet, bah j'ai pas envie que les gens ça soit pareil, enfin j'ai pas envie que les gens se disent que tous les frogs pensent pareil, tu vois. Donc ça c'est un sujet où ouais, il va falloir que je clarifie bien les choses Ok. là-dessus. Et puis voilà quoi, tout simplement. Ok, d'accord. Alors, Sylmaria, c'est en train de revenir, les gars. Ça va le faire. Ça sera le stream de Alors, 0T1 qui joue. Ouais. je peux juste rebondir, excuse-moi, Bien sûr, sur vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Alk Altarus. Alors en fait, Altarus, il y aura deux streams à terme. Hein. Il y aura deux types de streams. Il y aura les streams comme je fais tous les jours où je gank des mecs à 10, à 10, 15, on gank des mecs. Il y a aucune conséquence. On s'en fout. Je fais ça en stream sans délai comme je fais tous les jours. Par contre, dans la Frog Swarm, faut savoir que on va faire du on-game PVP, ce qui fait qu'il y aura des OP qui demandent un minimum de discrétion, ce qui va de soi. Et donc, sur des grosses OP, vous aurez de la rediffusion sur le stream. Faut savoir que, ouais, vous aurez de la rediff. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Vous aurez du délai, pardon. Ouais. Vous aurez du délai sur le stream, excusez-moi. Mais. Vous pourrez quand même voir des bastons de ouf on game PVP SC quoi. Donc il y aura les streams normaux et les streams OP Frog qui certes t'auras du délai sur le stream, mais par contre tu verras du fight de ouf quoi. Enfin je pense que les mecs ils s'en foutent qu'il y ait du délai sur le stream si c'est pour voir des fights comme ça. Enfin bon bref. Ok, Voilà. d'accord.
Autre question, Jake, on voit pas les dons. Ouais, je viens de capter, je viens de voir. Je crois que t'as fait 20 euros, Shkirou, je crois. Je sais pas, j'ai pas vu. Pardon, Shkirou, ça a bugué. Remets-moi ce que t'as marqué, etc. Je vais le lire, Shkirou. Mais merci en tout cas pour le don. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Et désolé pour le bug, Shkirou. Je suis désolé. Ouais, Zéro, qu'est-ce que je voulais te demander? Est-ce que tu as eu des sortes de reproches ou des gens mécontents par rapport à ton transfert chez les Frogs? Non. Déjà, je pense que non. Non, en vrai, non. J'ai eu des petites réflexions, genre ouais. Alors, j'ai eu que du positif. J'ai eu du ouais, GG mec. Franchement, tu fais bien. T'es au bon endroit et tout. Négatif, non, j'ai rien. J'ai rien. J'ai rien de négatif, quoi. Ok, d'accord, bon, bah, tant mieux, c'est une bonne chose. Je vois Shkiri Loulou qui met point question. Tu t'es trompé, du coup ça apparaît pas. Les gars, ce soir, n'hésitez pas à faire point d'exclamation question. Au moins, moi, j'ai un chat de côté où je peux récupérer vos questions. Je vois Zone venir. Bon, il y a des mecs solides ici, par ici. On est tous solides ici, Zvo. Si t'es là, c'est que t'es solide, c'est qu'on est solide. Question, ça va. Bah écoute, apparemment, ça marche pas, mon retour de question. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Attends, fais voir, t'as bien marqué? Question, ça va. Ouais, bah écoute, chat du chaos, ça marche pas. Shkirou, en tout cas, merci pour le don. Merci beaucoup, ça fait plaisir. La régie, j'attends un retour de toi pour savoir qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qui se passe. Problème avec Silmé, apparemment. Est-ce que ça fonctionne, Nephelia? Non, ça déconne, je sais pas. Ça fait un mois qu'on n'a pas stream. On aurait dû le tester auparavant. C'est vrai que d'habitude, ça déconne pas. Ah, Ouais, c'est le j'ai site qui acheté est une tombé. Ah, c'est le site copie, qui est tombé apparemment. Ouais. copie, j'ai acheté plein de feu, ma mène. T'inquiète. J'anime un peu en attendant, Jack, vas-y, si tu veux. Non, ça marche pas les gars, le point d'exclamation question, ça c'est down ce soir. Bon, on attend, on va voir si Silmé peut apparaître en direct. Apparemment, ça déconne un peu. Le stream se fait griffer comme par hasard. Ouais, ça c'est. Il y a quelque chose derrière ça, les gars. Nakazar, le sauveur. Fais gaffe, ça spawn en direct, la régie, ce que tu es en train de faire. Amazon Web Service est mort. Vive Amazon Web Service. Non, mais je sais pas. Là, on va voir. On va voir. Que des BG dans la place. Eh, mais oh, Zo, c'est normal aussi. Attention, t'es sur le CTS là ce soir. Alors attends, on rame un peu, on rame un peu. Voilà. La régie a cliqué sur une image de chien blanc. On va voir. Celle-là, elle est pas mal, putain. Attends, on va voir des chiens, on va voir des RIP. animaux, on va voir des reportages, on va tout voir ce soir, t'inquiète. Régie à Ked, peut-être. LOL, LOL! Allez, voilà sur le direct, les gars. Il a cliqué de partout, vous le savez maintenant. La régie qui vend du rêve ce soir. Merci, le chien. Voilà, vous aurez vu le chien, les gars. Oh putain, putain. Putain de mur de bite, l'IP de la régie. Alors. Florian, attention, mur de but dans le chat, l'IP de la honte. Ok. Bon, on va laisser tryhard la régie. Les gars, ce Mon soir, vous le Dieu. savez, si tout va bien, on reçoit Silmarillion qui va nous expliquer un peu voilà, l'arrivée de Zéro chez les Frogs. Il a 2-3 pépites à nous raconter. Tu Et veux en qu'on deuxième parle d'un truc partie. Vas-y, je t'écoute, En Zéro. attendant, tu veux qu'on parle d'un truc ou c'est bon? Bah écoute, dis-moi, qu'est-ce Je sais pas, c'est que. histoire de. C'est pour toi, genre. Non, bah écoute, j'ai vu qu'en ce moment tu t'es lancé sur EVE Online, c'est ça? Ouais, bah justement, parce qu'en découvrant Game of Thrones Frog, bah, je suis tombé sur leur histoire sur EVE Online et j'ai kiffé quoi. Ok, et tu joues. Et du coup, je suis parti Merci dessus. Copix. Et tu joues avec des gars ou comment ça se passe? Tu débutes tout seul? Comment tu fais pour jouer à. Alors je me fais carry comme un gros porc, par contre, il m'envoie tellement de pognon, mec, je sais même pas quoi en faire. Mais non, pour l'instant je suis solo parce qu'eux sont AFK sur EVE Online, ils ont déjà tout fait, donc ils Merci ont plus trop de raison Shkirou, de putain c'est trop petit, je vois pas, putain de merde. Et tu joues aussi à Eveco, c'est ça? Est-ce que tu Ouais, peux nous expliquer le. un peu Eveco, quand c'est que c'est J'allais y sorti, pourquoi, venir. comment? Bah, justement, j'allais y venir parce que les frogs, justement, sont présents sur Eveco. Eveco, c'est une version simplifiée de EVE Online. C'est EVE Online, mais version simplifiée. Et c'est à la base un jeu sur Android et iOS, mais Ouais, on peut y ouais. jouer bien évidemment sur navigateur, quoi. D'accord. Ah oui, c'est sur le navigateur? Il n'y a pas Ouais, bah t'y joues d'émulation sur. particulière Si, ou. ouais, t'y joues sur émulateur, pardon. T'y Ok, joues sur d'accord. émulateur et c'est EVE Online en simplifié, en moins chronophage en fait, en plus pépouze.
Ok, d'accord. Franck qui me dit, j'ai 88, la technique te lâche ce soir, courage. Ah ouais, mais là, la technique m'a lâché complet. On est en train de voir. Pourtant, j'ai vu Sylmé apparaître. La régie, est-ce que tu peux me donner des nouvelles? Ah, ok. Et pour les futurs invités, ça va le faire ou pas? On est emmerdé. Est-ce que Sylmé veut passer juste en vocal, malheureusement, ou pas? On va refaire. À quand du EFT en duo avec Zvo? Est-ce que Zvo joue à Escape from Tarkov déjà? Ah, j'avoue, mec! Hey, Zvo, un petit duo sur EFT, ma man! Mais bon, je sais pas s'il joue trop à EFT en ce moment. Moi je veux voir Zvo sur un FPS. Ouais, je veux voir Zvo sur un FPS, moi. Un petit lab avec Zvo, ça me ferait marrer, ouais. Hey, Zvo, s'il te plaît. Ah, les gars, si vous voulez que Zvo stream du Escape from Tarkov non, avec 0, tapez 1, s'il vous plaît. Arrêtez, faut pas le... Si vous voulez pas, vous tapez 1 quand même. Donc du coup, vous tapez... Non, le chat du chaos, non, tu peux pas. Voilà. La régie est en train de se faire des dos. C'est possible. La régie a cliqué sur le chien blanc. Erreur fatale. voilà. Hey, Zvo, on t'a mis dans la merde. Tu sais, faut pas passer au CTS. Tu le sais, pourtant, on te l'a dit, tu vois. On va faire un petit lab, écoute, hein, qu'est-ce que je te dis. Ouais, on va voir ça, Zvo. Zvo, il se cache, il répond même plus. Il fait le mec. Non, j'étais pas là, c'était un faux compte d'un espion Fagal ou je ne sais qui, tu vois ce que je veux. Mais Tokyo, il dit ça juste parce qu'il veut me revoir sur EFT en fait, c'est tout. C'est un bait, les gars, c'est un bait. Désolé, c'est mon chien. On entend un chien, est-ce que c'est le vrai chien? Est-ce que c'est le chien de Massadian? Ouais, je suis désolé mec, c'est Flucky, mais... C'est le chien... Ah bah il se barre, tiens, dommage. C'est le chien de la Fagal. Oh putain, Zvo, je suis pas là, je me suis fait hack par le chien blanc. Eh ouais, mais t'as tout le monde est suivi ce dossier quand même, ça veut dire que tout le monde est suivi ce dossier. Encore un chien, exactement. Alors on va essayer, on essaye les gars. Oh putain, Zéro, clique pas sur le chien à côté de toi. Il a déjà cliqué, il a déjà même caressé, mesdames et messieurs, sachez-le. Alors, je vois la régie qui bidouille, ce bug était pas... Et voilà, Zo qui chope son abo, ça fait extrêmement plaisir. Eto qui envoie des missiles de partout. Les gars, tranquille avec les insultes, même si vous savez que je vous tapez des barres, mais tranquille, on n'est pas chez le stream de Razmoket ici. On est soft. Ah ouais, parce que c'est lui qui lâche les FDP à longueur de journée, le mec. Il est complètement fou. Ok. Il est mort sur tout. Ouais. Server Meshing, y'a plus personne. On n'est pas chez Anuna. Exactement. Mec, Server Meshing, ses vaisseaux, ils sont sur le Grey Market. Vas-y, excuse-moi, arrête, me lance pas, mec. Ah, tu vois, vu que le stream bug un peu, on va clasher les gens, c'est pas bon. Vas-y. Vas-y la régie, là. On est un peu en galère les gars, sachez-le. Il y a du monde dans les coulisses, ça fait extrêmement plaisir. Je vois du Mr. Trash, je vois du Zetoya, je vois du Agency, je vois du Shkeru, Massalian, putain c'est trop loin, Chat du Chaos, Max qui est là, qui est présent. Max, un petit bruit de... Je sais plus ce que tu buvais Max. Pour meubler, Jack à poil. Ouais, mais bien sûr les gars. La régie, moi je t'entends toujours. Voilà, on est bon. Mets-moi modérateur, je m'occupe des insultes. Non mais Dralgon, si je te mets modo, ça va finir mal. Tu vois, Ola ZZ, qu'est-ce qu'il dit, chèvre? La régie qui cherche un tabouret, une corde. C'est un peu ça en ce moment. Zod qui est là, Zod qui est chaud, un groupe PVP pour faire court. Alors on rame un peu, les gars, on va pas vous cacher. Bon, je vais me chercher une binouze en attendant. Allez-y, les gars, c'est le moment pub. Ouais, on a le temps, sérieux, les gars. Samedi, 21h30, Exactement, exactement. Mais ouais, alors, attends. Mais et puis le drama, faut le savourer, le drama, les gars. Vous voulez du drama, bah vous attendez. Hein. Et en plus, c'est beau. Hein. En plus c'est beau. Beau, même. En plus, c'est beau, voilà. Ouais. Je ne banne pas tant que ça chez moi. Oui, Dragon. Attends, je vois du filmé, il est tendu, là. Putain, ça marche pas. Moi, je veux passer sur le plateau du CTS en direct. Montre-nous ton caleçon. Non, mais là... Non mais ça va tranquille mais là plus c'est long plus c'est bon. Jake j'ouvre une bouteille de fou. Mais Max t'ouvres champagne. Fais péter sur ton écran mec. Mettez deux pour que Jake. Un petit apéro. Est-ce que t'as une tasse CTS? Parce que c'est le meilleur apéro de boire la tasse CTS. Non mais Silmarias il m'a promis. Il m'a dit qu'il m'enverrait un t-shirt Frog Swarm et une tasse Frog Swarm aussi. Ah, bonne question de Jay. Ouais. Putain, mais les mecs, ils remuent le drama, quoi, putain. Question, Zéro, as-tu eu des réponses de Ulf depuis le dernier drama? Ah, oui. Tu m'entends, vas-y, c'est intéressant, ça. Tu m'entends ou quoi, là? Ouais, je t'entends, Zéro. Ouais, ok. Excuse-moi, ouais. Mec, c'est mon Discord. Ah, putain, je t'entends plus, je t'entends plus, Zéro. C'est incroyable. Hey. Bonjour. Ouais, là, je t'entends. Ok, c'est pas moi, hein.
Non, 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 je sais pas. Ok. Mais est-ce que t'as eu voilà, une réponse de Ulf Ouais, suite j'ai au une petit réponse de drama? Ulf, mesdames et messieurs. Alors préparez-vous parce que je sais pas encore. Je crois que je vais me faire ban Soon, mec, parce que je vais le trash Probablement. talk. Je crois que je vais l'insulter. Donc du coup, je vais devoir envoyer mes vaisseaux sur un autre compte, etc. avant de l'insulter. Alors, parce D'accord. que je lui ai envoyé plusieurs requêtes pour lui dire what Ouais. the fuck, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé. En vrai, je vais vous envoyer tous les screens, hein, le CTS. Je vais Ouais, si tu t'envoyer veux. tous Bon, les. là, je t'avoue que Oh, là, la régie, plus elle est tard, non floue. mais mec, Ouais. plus tard, bien entendu. Vas-y, vas-y. Mais du coup, je lui ai demandé des explications et il m'a répondu un truc tout con. Il m'a répondu qu'il fallait que j'envoie une requête au lieu de le passer par message privé, alors que c'est lui qui est passé par message privé pour me dire que j'avais reçu un avertissement. Ok. Sachant que j'ai déjà envoyé deux requêtes et j'ai jamais eu de réponse, et qu'il ne pouvait pas m'en dire plus pour des domaines de la vie privée. Donc en What? gros, Ulf, ouais, donc en gros, Ulf, mec, zéro réponse. Aucune réponse. Donc je pense que je vais l'insulter. Ok. Je vais lui dire t'as une petite bite ou je sais pas mec, Ok. je vais l'insulter, c'est le pire community manager mec que j'ai vu D'accord. ce mec quoi, Ok. genre. Bon bah en tout cas tu nous tiendras au courant. Ouais, bien sûr. Sophie Panmi qui nous dit à 22 h je vais me coucher, moi j'ai mon cours de cuisine paléo-vegan demain matin. Je sais Sophie, tu vas spawn très bientôt dans le live. J'en ai pas eu beaucoup plus ailleurs, Zvo. Qui est Ulf? C'est le community manager de la communauté internationale finalement. Il n'y a pas de manager. CIG, c'est le leader même en plus, c'est pas un community manager lambda qui m'a contacté, c'est le directeur community manager de CIG. D'accord, ok. Ulf Kogan, t'es nul putain. Le CMCID, on sait jamais. Envoie-lui une image de Floki. Floki, c'est ton chien, c'est ça? Oui, une image ouais, de Floki, ouais, c'est mon chien Floki. Ah mais il va pas cliquer dessus, c'est sûr. Sauf que mon chien, il a quand même une autre gueule, hein, quand même, hein, faut pas déconner. Je vois Sylmé qui est en train de se préparer. La régie, si ça déconne encore, on le prend en vocal. Hein, c'est pas grave, on va pas passer 15 ans. C'est vrai que ça déconne de fou. Si vous avez son IP, j'ai quelqu'un qui sait quoi en faire avec. Ah, bon, on va en parler, Rafi, on va en parler juste après. Il y a du beau monde, il y a Rafi, il y a Sophie, il y a du beau monde, il y a Copix, Chia du Chaos, je regarde. Ok, la régie. Allez, on va essayer de faire marcher la co de Silmé. On le reçoit de suite, mesdames et messieurs. On n'attend pas plus de temps. La régie, je te laisse faire spawn Silmérias, chef Frogstorm, s'il vous plaît. Merci. Silmé, est-ce que tu nous reçois? Ouais, je vous entends, ouais. Ah, ça a été compliqué. Ouais, et c'est pas fini à mon avis. Ok, bon, on va essayer de la jouer fine là, très rapide. Alors, Silmé, je sais pas si tu as pu suivre du coup un peu l'interview, mais Zéro qui nous disait finalement était venu très naturellement vers Frogswarm. Je voulais savoir toi pourquoi tu avais recruté Zéro et ses potes aussi finalement qui ont suivi chez vous. Alors, attends, parce que j'étais un peu occupé avec la technique. Vas-y, vas-y, pas de souci. En fait, enfin, pourquoi c'est un peu une question con, en fait. C'est grosso modo, Zéro nous a contacté comme n'importe qui, en fait, hein, dans un fonctionnement où voilà, il s'est dit, voilà, vous êtes sympa. Tu vois, comme il l'a expliqué tout à l'heure, je me sens proche de vous, machin, côté tout ça, etc. Donc, du coup, on s'est dit, ok. On s'est dit, bah écoute, pas de soucis, on a discuté un peu ensemble, tout ça, et puis enfin, nous, tu vois, on ferme la porte à personne, donc à partir de là, bon, voilà, open quoi. Ok, d'accord. Puis. Et du coup, comme il nous expliquait, tu lui as donné quand même une bonne place en tant que chef leader, c'est bien ça? Ah, ça a redéconné, je crois qu'on a perdu Silmé, putain. On va la faire comme ça, la régie, je sais pas ce que t'en penses. Pourquoi le chef, il est en low résolution, c'est Putain, un what the fuck? scandale? Ouais, mais je sais pas, ça bug, les gars, ce soir. Silmé, ouais, tu m'entends toujours, on est d'accord. Ouais, je t'entends, ouais. Ouais. Il a fait une massaliane. je voulais savoir. Oui, donc tu lui as donné quand même un bon poste au sein des Frogswarm. Alors, il y a une bonne raison à ça, en fait, hein, dans tous les cas de figure, c'est que nous, ça fait un moment qu'on suit un petit peu ce qu'il fait aussi, tu vois. Parce que du coup, en fait, tout ce qui est PVP, etc., évidemment, on regarde un petit peu. Donc, étant donné que... On a regardé ce qu'il faisait, qu'on a trouvé que ce qu'il faisait était plutôt pas mal, et puis qu'on a un peu discuté avec lui, et que voilà, on était un peu sur la même longueur d'onde en fait sur ce qu'il avait envie de faire, et c'est un petit peu comme ça qu'on le voyait aussi de notre côté. Donc on s'est dit, bah écoute, puisque tu voudrais plus tard éventuellement avoir
des missions un peu spécifiques et l'idée des missions un peu spécifiques, nous on y avait déjà pensé, on s'est dit bah écoute ok, let's go, tu vas devenir Wing Commander chez nous et puis c'est très bien. Ok. Du coup, de notre côté en fait, on a eu un bon contact, hein, donc du coup, à partir de là on s'est dit ouais super quoi, enfin, en gros c'est... Ça va très bien dans les deux sens parce que du coup, on a les mêmes objectifs. Nous, de notre côté, on gagne quelqu'un qui, effectivement, va emmener les choses. Ce qui, pour nous, est quand même un gros plus parce qu'on considère que les... tout ce qui est Fleet Commander, Wing Commander, en fait, c'est la ressource la plus rare dans un jeu, en fait, globalement. D'accord. C'est vraiment quelque chose de très difficile à avoir. Les bons, encore plus. Ouais. Donc du coup, résultat des comptes, nous de notre côté c'est satisfaisant parce que du coup, mine de rien ça commence à faire pas mal de FC chez nous, donc mine de rien c'est un gros avantage. Et puis gagner effectivement éventuellement plus tard quelqu'un qui est capable de partir un petit peu sur des opérations Black Ops, c'est aussi très intéressant pour nous. Donc dans tous les cas de figure, je pense qu'on s'est retrouvé, c'était, comme il l'a dit, hein, c'était un petit peu naturel quoi, parce qu'on a les mêmes objectifs, donc on s'est plutôt pas mal trouvé je pense globalement. Ok, d'accord. Shirou qui fait un don de 2€. Est-ce que fournit les missiles? Est-ce que la Froxwan fournit les missiles? Bilko qui vient, qui passe, qui met son petit sub, ça fait extrêmement plaisir, mec. Merci beaucoup. Je voulais savoir, Zéro, toi, est-ce que ça te met une pression particulière d'être Fleet Leader chez Froxwan? Bah, en fait, moi, si je suis un tryharder. J'ai envie de faire ça. J'ai envie d'avoir la pression, j'ai envie d'avoir de l'enjeu, j'ai envie de faire du own game, j'ai envie de faire les choses bien, j'ai envie de réfléchir aux choses pour bien faire les choses, parce que le gaming, enfin parce que j'aime ça. Et voilà, moi écoute, ça met une pression, oui, mais une pression positive. Bonne pression, ouais. C'est une pression, voilà, vraiment positive, quoi. C'est comme, bah en fait, si tu veux. C'est je vais faire mon taf et puis je vais apprendre à le faire mieux et je vais tryhard les mécaniques comme je l'ai toujours fait et puis ça me donne une motivation supplémentaire, donc de toute façon ça me met une pression, oui, mais je sais que je vais être meilleur que je ne l'ai jamais été en fait dans des situations, bon on n'y est pas hein, putain c'est ouf quand même hein, parce qu'on parle d'un jeu qui n'est pas encore sorti. Ah, mais, oui. Voilà. Mais je dis ça juste pour qu'on redescende sur Terre, mais... Bien sûr, bien sûr. Genre, plus tard, bah... Ouais, non, ça met une pression, mais une pression positive, quoi, vraiment. Ok, d'accord. D'accord. Qui sortira peut-être jamais. Sinmé, je voulais savoir comment l'arrivée de Zéro a été perçue chez vous. Chez nous, elle a été très bien perçue. Hein. Comme je l'expliquais tout à l'heure, pour nous, c'est un avantage que Zéro nous rejoigne aussi. D'accord. Clairement, en fait, c'est exactement ce que je disais, c'est que tout le monde a très bien vu en fait l'arrivée de Zéro et puis de son crew, quoi. Parce que dans tous les cas de figure, encore une fois, vu qu'on cherche la même chose et que du coup, on s'est trouvé, tu vois, dans la même direction, c'est quand même mieux d'être ensemble que d'être chacun de son côté, quoi. Donc eux nous apportent aussi beaucoup en venant chez nous et on espère qu'on leur apporte aussi, tu vois, ouais, bien sûr, de par leur intégration, quoi. Nous le gros, je pense que l'avantage, c'est ce que disait Zéro, c'est que il y a déjà une structure en place, il y a déjà un truc qu'on a l'habitude de faire depuis x années, donc du coup lui, ça lui permet effectivement pas forcément d'avoir besoin de gérer ça parce qu'il aime pas ça, on en avait parlé. et donc voilà, et donc c'est voilà, ça va dans les bons, dans le bon sens en fait, dans les deux sens, et nous de notre côté bien évidemment ça a été très bien perçu, hein, à partir de là c'est clair, quoi. Je vous entendais dire tout à l'heure que justement vous disiez c'est pas Froxhand qui va recruter, il faut venir à Froxhand, mais c'est exactement ça en fait, c'est parce que on n'est pas comme d'autres orgas que je ne citerai pas, hein, aller absolument débaucher des mecs qui viennent d'arriver sur le jeu, qui ont une heure de jeu, à les faire rentrer chez eux pour grossir comme peu possible, okay, hein, okay. Et pour justement finalement n'avoir personne derrière, quoi. On recrute des, même si on joue pas à l'heure actuelle et qu'on ne fait que tester la plupart du temps, l'idée c'est de construire pour le futur, donc voilà. Ok, d'accord. Je tenais à remercier tout le monde qui sub, qui donne des petites cheers, tout ça. J'ai vu Mela aussi, c'est pas passé, elle a lâché un 15€, ça fait extrêmement plaisir, merci Mela. Nervo qui est là, il y a du beau monde. Ça tire à balles réelles. On m'a parlé d'une vidéo où Zéro souhaitait la bienvenue à un streamer Falmou sur EG. On peut l'avoir quelque part, ça doit être... Attends, je vais lui link sur le chat parce que c'est vrai que... Ouais.
Ok, vas-y. Ça vaut le coup, quand même. Qu'est-ce que je voulais dire, Stilmé? Comment tu as perçu la chose, enfin, du fait que voilà, ça soit un streamer? Je sais que Frog Swarm n'est pas forcément ne veut pas forcément être dans la lumière tout le temps, etc. Là, ça va être un peu plus le cas. Comment tu vois ça? Pour moi, ça change rien et Zéro l'a expliqué tout à l'heure. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas qu'on n'aime pas être dans la lumière, c'est-à-dire qu'effectivement, enfin, on fait pas forcément parler de nous comme la plupart des gens. Ça, tout le monde l'a remarqué. On fonctionne pas effectivement sur le média ou ce genre de choses-là. Okay. Comment expliquer ça? Le truc, en fait, c'est que. Enfin, entre parenthèses, on va pas utiliser le stream de Zéro pour se mettre en avant parce que c'est pas du tout l'idée, hein. Il fait son stream, c'est son truc, machin, tu vois. Nous, on n'est pas forcément en train d'essayer de prendre une main basse sur un ancien truc que lui fait. Enfin, ça n'a aucun sens. Sinon, nous, on l'aurait déjà fait il y a longtemps, en fait, hein. Si on voulait vraiment faire ce genre de choses-là, être dans les médias, etc., on aurait Ouais. fait des streams ou ce genre de choses. Mais alors, c'est pas qu'on veut pas apparaître, c'est simplement que on n'en voit pas l'intérêt actuellement. Et que si un jour on apparaîtra peut-être un peu plus, effectivement Zéro en a parlé, ce sera peut-être plus pour montrer ce qu'on fait lors d'opérations stratégiques, lors de PVP, lors de roaming, lors de whatever, tu vois. OK. Mais on n'est pas à essayer de contrôler notre image sur ce sujet, en fait. D'accord. C'est pas intéressant pour nous, en fait. Ce qui est intéressant, c'est éventuellement de montrer ce qu'on va faire, tu vois. D'accord. Les grandes batailles et le endgame du jeu, ça va être ça qui va être intéressant. Et je pense que là, on verra certainement plus les Fiji Frog à ce moment-là, mais. Mais encore une fois, on est à des années-lumière de Bien savoir sûr. Et si ce sera puis. possible éventuellement de rester, quoi. Ouais. Et puis avoir un streamer dans une corpo aussi, il faut savoir que, enfin, moi perso, j'estime que c'est plus un poids qu'autre chose. Aussi. C'est ça qu'il faut dire. Pour quelle raison? Ben, déjà le streamer, déjà la mentalité des streamers en général, mec, qui ont des problèmes d'ego, qui se croient Fais gaffe, il y a supérieurs à tout le Zvonimir dans le monde. chat. Non mais. Attention, Zo, je m'excuse, mais là, tu viens, tu te fais punchline. Je veux dire, à Non un mais moment attends, donné, mais. Oh, j'ai pas dit tous les il a monté streamers, bien aussi. entendu. Voilà, tranquille. Non, mais vas-y, c'était pour la blague. Non mais Zvo, bien sûr. Non mais déjà, Zvo, c'est de qui je parle, hein. Et puis, il y a pas que la personne dont je parle, il y en a plein d'autres. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc déjà, il y a ce problème-là. Et le souci aussi du fait que quand t'es streamer, bah t'as une communauté qui est la communauté de Twitch, donc faut faire avec, et qui est pas forcément tout rose, tout belle, tout blanche, ni tout noir. Mais, Bien sûr. et puis surtout, il y a tout ce qui est spying, etc. Enfin, je veux dire, quand t'as un streamer qui est dans une corpo. Moi, j'imagine, bah, enfin, dans ma tête, c'est plus, si tu veux, un poids qu'autre chose, quoi. Donc, je vois mal, enfin, bon, à part pour recruter des mecs, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils en aient quelque chose à faire, la Frog Swarm? Enfin, ils ont pas besoin d'un streamer pour recruter qui que ce soit, quoi, tu vois. Justement, j'ai demandé à Sylmé, est-ce que en ce moment les frogs recrutent? T'en es où là chez les frogs vis-à-vis Star Citizen? On continue à recruter, mais Ok. encore une fois, c'est pas qu'on est sélectif, c'est de par notre nature, de toute façon, les gens viennent que s'ils sont sûrs de vouloir être chez nous, de toute façon. Ok. Donc, tu vois, encore une fois, on construit en fait un corps en fait de groupe, et tout s'articulera autour de ça plus tard. On aura certainement effectivement plus de gens qui viendront et qui auront envie de nous rejoindre quand ils verront ce qu'on fait, parce que évidemment on veut justement donner ce endgame du jeu, tu vois. Ouais. Donc je pense que ça intéressera des gens, on Bien l'espère. sûr, Et bien sûr. encore une fois, même pas forcément en fait à nous rejoindre, hein, comme on l'a déjà dit, on veut fédérer surtout quoi. C'est en gros toute personne qui a envie, même des corpos, de faire partie de cette aventure et d'essayer effectivement de faire du endgame du jeu et d'avoir des internationaux en face et leur tenir la dragée haute, voire même gagner contre eux, tu vois. Je pense que c'est. Ouais. En tout cas, on espère que ça au moins donnera envie en fait à plus de gens effectivement de soit nous rejoindre, soit d'être en alliance avec nous, etc. Ok. etc. quoi. Ok. Donc, enfin voilà, et pas forcément de nous intégrer directement, tu vois, c'est ce qu'on avait dit avec Zéro au départ. Zéro, lui, il pensait plus effectivement rejoindre l'alliance qu'on voulait créer, tu vois. Ouais. Pour l'instant, c'est toujours pas créé parce que putain, ça n'a aucun sens aujourd'hui. Mais Ok. un jour, ce sera fait. Un jour, on aura des gens, effectivement, on a des corpos, en fait, depuis le temps, depuis toutes ces années, qui nous ont déjà approchés sur le sujet. On sait qu'il y a pas mal de corpos qui seront en alliance avec nous parce que ça les intéresse. Ouais. Mais pour tout de suite.
Non, ça, donc on verra pas dans le paysage avant, avant X, tu vois. Okay. Mais c'est les deux façons en fait de pouvoir éventuellement venir avec nous taper des choses plus tard dans le futur. C'est effectivement soit nous rejoindre directement, soit avoir sa corpo et dire bah là on veut nous rejoindre parce que ça nous intéresse. D'accord. Merci Daguil pour les subs, merci pour le sub, merci pour les subs anonymes. Je voulais savoir si vous aviez autre chose à dire sur le transfert de zéro tolérance, parce que justement je voulais rebondir sur le fait de fédérer et de faire des alliances. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet? Attention, il y a du quoi ici, attention mesdames et messieurs. Sydney Zero, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose autour de ce transfert de l'Inner Circle, d'une partie de l'Inner Circle chez les Frogs? Ou pas spécialement. Tu veux dire quelque chose, Zéro, ou... Ben, écoute, comme tu veux, vas-y, commence. Bah non, nous, en gros, ils le savent, je les ai reçus à un moment donné en réunion, c'est que... C'est naturel, nous, Voilà, c'est naturel, et nous, on est super contents de les avoir chez nous, comme les gens qui nous ont rejoints à un moment donné ou à un autre, quoi. Ok. Donc voilà. Alors, s'il y a un truc qui est intéressant, c'est que j'ai vu pas mal de gens, en fait, qui disaient que Froxform était très fermé, en fait. Je pense que c'est une très 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 mauvaise idée que les gens se sont fait en fait sur le côté fermé. On n'est pas fermé, on est structuré, donc on a effectivement des règles, c'est-à-dire qu'on est exclusif. Effectivement, les gens ne peuvent pas nous rejoindre parce qu'ils sont dans le corpo, effectivement. Mais ça, c'est parce qu'on on a une nature à faire les choses entre parenthèses un petit peu à l'ancienne nature en fait, de manière un petit peu carrée. C'est que quand on rejoint, c'est pas un moulin à vent en fait, hein. On est pour venir pour rejoindre un vrai groupe, quoi, tu vois, et de rester dans ce groupe là et. Qui reste, que c'est pas un mode de fonctionnement un petit peu de comment ça s'appelle, de consommateur qui consomme des organes, ouais, qui consommerait voilà quoi. Donc, tu adhères, mais... ou tu livres quoi, hein, ou tu viens même pas en fait finalement quoi. C'est ça exactement, ouais. Ouais, c'est exactement le truc, c'est soit effectivement t'adhères, soit si t'adhères pas, voilà. Bah, du coup c'est pas la peine de venir, mais la régie, mais les choses sont claires. Là, les Frogs, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est un peu ça. Ouais, alors il faut d'abord avoir rejoint, mais ouais. Voilà, c'est ça. du coup, ouais, ben, je vais en profiter parce qu'après, voilà, on va recevoir beaucoup de monde. Mais tu disais, voilà, fédérer, faire des alliances, etc. Moi, j'ai vu une petite info comme quoi les Frogs auraient mis fin à un pacte de non-agression avec une certaine orga. Est-ce que tu veux en parler, ou je présente un peu les choses, ou mais je te laisse faire, je te laisse expliquer pour quelles raisons en fait. Alors ouais, bien sûr, bah, il s'agit de la Fagal, donc du coup, je crois que c'est un peu le thème de la soirée de toute façon. Ouais. En fait, la Fagal nous avait approché, comme pas mal d'orgas à un moment donné ou un autre, pour savoir s'ils pouvaient déjà commencer par avoir des standings avec nous, en tout cas un pack de non-agression. Mm-hmm. Et on connaît Massalian, on connaît son historique, on connaît l'historique de la Fagal, tu vois, on n'est pas né d'hier, on a ton jeu depuis 2013, on sait exactement ce qui s'est passé, ok. Ok. Mais on est plutôt du genre à être, encore une fois, à vouloir fédérer et à pas forcément en vouloir aux gens, hein, comme vous l'avez déjà vu dans les vidéos passées, Kalec Play, on lui a pardonné, quoi. Hein, Kalec Play a dit de la merde, ouais, 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 ouais. Donc voilà, on donne toujours une seconde chance à quelqu'un, en fait. Et donc du coup, par principe, en fait, c'était plutôt louable. Ok, on veut effectivement avoir un pacte de non-agression avec vous, machin, etc. Donc on n'a aucune raison de le refuser. Donc à partir de là, on dit ok, un pacte de non-agression, pas de soucis. Et puis... on a commencé quand même à avoir quelques doutes sur certaines choses, donc on a commencé à se renseigner un petit peu en fait au sein de ce qui se passait, enfin au sein d'accord. De la guerre, ce qui se passait. Et un beau matin, un peu fait comme un autre, Massalian est revenu vers nous en mode non mais on veut passer à autre chose, on veut passer à plus que ça, machin, etc., etc. On veut passer à du friendly, à Unco. Et nous en fait, alors on est du genre à faire attention à ce genre de choses parce qu'on n'est pas dupes. Et on a compris qu'il y avait Anguille sous roche, donc on a refusé en fait à la Fagal à ce moment-là de passer d'accord. À autre chose qu'un pack de non-agression. Ok. Donc ils voulaient plus. Oui, ils voulaient plus, exactement. Ok, on est d'accord. Hein. Ouais. Donc ils voulaient plus. Alors nous, on a très vite compris pourquoi en fait. Hein. C'est l'idée effectivement, c'était de faire parler d'eux, mais ça malheureusement, on voulait pas leur donner. Ok. En toute honnêteté. Donc à partir de là, on a dit non. Et puis on a commencé effectivement à avoir quelques infos très intéressantes. De Massalian en l'occurrence, en train de parler de nous, en train de nous trash talk, et voilà, sachant qu'on savait qu'il le faisait derrière en fait, mais au moins on a eu l'information live, et à partir de là en fait on ne peut pas adhérer en fait à ce genre de comportement. Il est hors de question qu'un
un leader de corporation se permette de nous casser du sucre sur le dos comme ça et tu vois en venant par alors devant, que vous étiez en pacte de non-agression quoi, c'est ça le truc. Tout à fait oui, surtout qu'en plus okay. on parle de quelqu'un qui pense être un mastermind qui ne l'est pas du tout et qui effectivement se mettait un petit peu trop en avant en disant que voilà notre système il était pas comme ça machin. En gros il y a un enregistrement là-dessus. D'accord. Je crois qu'on vous l'a envoyé, donc si vous voulez le diffuser, vous pouvez y aller. Mais c'est la raison pour laquelle on a clairement stoppé cette relation. Et on va même plus loin que ça, c'est-à-dire que on fait une fleur à la Fagala. C'est-à-dire qu'un truc comme ça, normalement, c'est passé ennemi immédiatement. En rouge, ouais. Ouais. Ok. Mais comme on sait que les mecs de la Fagala, ils sont pour rien, en fait. C'est juste d'accord. Un mec. C'est l'individu, c'est juste... un joueur, quoi. Exactement, c'est un individu, c'est un joueur, et ce mec-là devrait se faire foutre dehors en fait immédiat si effectivement ils veulent pas qu'à un moment donné ou un autre, bah voilà quoi, on se décide de dire bah non les mecs, alors si vous adhérez à ce qu'il a fait, dans ces cas-là vous serez ennemis, tu vois ce que je veux dire. Pour l'instant bien en fait sûr, on n'a pas décidé sûr. Comme ça, d'accord. Ça se fera d'un point de vue diplomatique à un moment donné avec j'imagine les diplos de la Fagala de toute façon, j'espère qu'ils vont prendre contact avec nous. Bien sûr, bien sûr. Ils ont plutôt intérêt, et puis voilà. Ok. Bah okay. Je vous laisse éventuellement. Ouais, bah ouais, parce que je vois un Kull Backstraff qui nous dit « Il accuse sans preuve le mec ». Justement, je crois que la régie a reçu l'enregistrement. La régie, on va se taire, les gars, on envoie l'enregistrement. Mais si c'est un Team Six Frog, je le fais. Là, les frogs, mon gars, ils ont fait une tentative de phishing. J'ai fait « Ah là 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 là, vous jouez trop, hein ». Franchement, il y en a un de chez moi qui s'est attrapé par vous, mais les gars, mais je vous crame le serveur, il prend sur votre serveur. Il joue trop, les frogs. Moi je travaille pas comme Silmeria, tu vois, où en fait, où lui il est au sommet et il a que des petites mains, il a confiance en aucune de ses petites mains et ses petites mains doivent avoir une confiance aveugle. Moi je travaille plus pour le côté humain. C'est-à-dire on a une confiance mutuelle et voilà, après c'est sûr, mon système est plus vulnérable que celui de Silmeria face à un jeu vidéo. Mais il prend ça trop à cœur lui. Et la frog d'ailleurs, honnêtement, hein, après la Sard, peut-être j'envisage. Ça pour moi, ça serait dur pour toi. Je joue à l'idée, enfin, je te le dis. Moi, vraiment, j'aimerais te placer réellement à la Frog et que tu sois espion Frog. Donc un double espion, hein. Donc un double espion, on est bien clair. Hein. Tu espionnes pour la Frog, mais tu espionnes pour moi en fait la Frog et également ce que tu espionnes pour la Frog. Et quand tu sens qu'il y a une ouverture Frog, et après. Mettre sur tout le curriculum vitae avec la Frog, ouais, j'ai infiltré les Fagala, j'ai fait l'infiltration patati patata, le gameplay était sympa et tu verras. J'en parle pas, tu vas rejoindre la Frog. Ils jouent pas donc tu auras pas beaucoup de choses à faire et puis peut-être un jour ils te demanderont de devenir espion pour eux. T'es ravagé le mec. Ok, d'accord, donc c'était la fin de l'enregistrement. Donc suite à ces propos, donc on vient d'entendre clairement que Massalian voulait espionner les frogs, et pour toi, s'il met ça, c'est rédhibitoire, c'est la fin du pacte entre vous, quoi, hein. c'est clairement ça en fait. Alors en fait, ce qui est assez drôle, si tu veux, c'est comme nous, on pratique, on sait ce qui effectivement est quelque chose qui est acceptable ou non. C'est-à-dire qu'on ne va pas... On va pas, si tu veux, en vouloir à une orga qui nous spy, mais pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il nous spy plutôt pour voir comment ça se passe avec nous, plutôt pour voir si effectivement si on peut être des gens de confiance, s'ils peuvent travailler avec nous dans le futur et venir dans notre projet. Ça nous dérange pas du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, les spies de manière globale, enfin, il y en a. Enfin, en tout cas, dans ce type de jeu, il y en a ça foison hein, dans toutes les organisations à un moment donné ou à un autre. Tu peux pas éviter, d'accord ? C'est un truc qui est inévitable. Tu peux avoir tout un tas de stratagèmes effectivement pour pouvoir ne pas avoir des spies, mais tu en auras toujours, quoi que tu fasses. Tu peux limiter le nombre, mais ça s'arrête là. Mais il y a la version du je spy pour voir que les choses vont bien, et on l'a déjà expliqué dans le passé en fait. Je sais pas si tu te souviens, mais quand j'étais intervenu, on avait déjà expliqué que on spy, mais on spy parfois en fait juste pour de l'information, pour vérifier effectivement que ce sont des gens qui sont bah, qu'ils soient louables, que ce soit des gens qui soient sérieux, que ce soit des gens avec qui on pourrait éventuellement faire quelque chose plus tard. Par contre, le spying pour essayer de détruire, ce qui est le cas de Massalian, et ça, c'est pareil, hein, y a des enregistrements sur le sujet, je pense qu'on en parlera plus tard, c'est pas quelque chose qu'on peut adhérer, en fait, d'un point de vue francophone de notre côté. Okay. C'est-à-dire que le faire plus tard pour de l'international, parce que c'est de l'international et c'est nos ennemis, ça a du sens. Aujourd'hui, nous, on cherche surtout à fédérer plus que détruire, hein. Détruire ça ne nous intéresse pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est effectivement rassembler le maximum de personnes qui ont la même vision du jeu que nous
pour justement aller à un moment donné se fighter contre des internationaux. Et c'est ça qui est intéressant, pas de se pailler des francophones dans l'état du jeu à l'heure actuelle pour détruire les choses. C'est contre-productif pour tout le monde, en fait. Et ça, on ne peut pas adhérer là-dessus. Et c'est la raison, en fait, de cette rupture générale, parce que du coup, on ne pourra jamais faire confiance à ce mec-là. On pourra, tu vois, l'idée de son truc, c'est vraiment de se pailler pour de mauvaises raisons. Et c'est ça le vrai problème, en fait. C'est véritablement un souci de notre côté. D'accord, ok, ok, au moins c'est clair et net. Il y a un Agency qui nous dit cette fois-ci, il y est pour rien, les gars. Sacrosti, les prospecteurs. Ok, est-ce que. Alors, les gars, il se fait un peu tard, enfin, il est 22h, mais on a du monde à suivre, qui va suivre derrière, entre autres Sophie Panmi, Rafi, Rashquit. Est-ce que, les gars, vous voulez rajouter un dernier mot? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Nada de mon côté. Ok, ça va. Zéro? Bah écoute, non, tout va bien, moi. Ok, bah, les gars, merci d'être passé. J'espère que vous avez eu assez de temps, malgré les petits soucis techniques, on a essayé de bidouiller, les gars, on s'excuse. Mais si c'est bon pour vous, bah, ça fait extrêmement plaisir, les gars. Ouais, bah écoute, merci à toi de nous avoir donné de l'attention, surtout, m'amène. Non, bah c'est normal. Et puis t'en fais pas pour les problèmes techniques, mec, tout le monde te pardonne. Et puis vu comment c'est compliqué à gérer votre truc. Voilà. Non, y a pas de problème. Pas de soucis. Filmé, on me demande il est où le pain? Ça n'existe pas. Ok, d'accord. Ça n'existe pas, apparemment, la régie me dit. Chômage, exactement. Bon, les gars, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Sylmé. Merci, Zéro. On se recapte très bientôt. Vous repassez quand vous voulez. Ici, c'est chez vous, les gars. Et puis à la prochaine, les gars. Ça roule. À bientôt. Allez, bonne soirée, les gars. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Voilà, les gars. Donc, on a eu la première partie avec Sylmé. Et Zéro, je vous laisse repartir dans un autre channel, les gars, parce que là, je vois que la régie est hyper occupée, je sais pas si c'est déjà fait, je sais pas. Pour 275 viewers à chaque mention de la Fagal. Merci, elle est là, Pain Demi, elle arrive. On va laisser la régie préparer Sophie, qui va spawn dans quelques secondes. Il y a aussi Rafi, Rashwit qui vont arriver. Donc ça va parler de quoi? Ça va parler de Dogfight, ça va parler aussi de Sard versus Fagal, Fagal versus Sard. Voilà, c'est peut-être un peu flou pour certains, beaucoup de choses se sont passées dans le Discord. Point d'exclamation Discord, les gars, vous savez que c'est là où ça se passe, il y a toutes les infos. Voilà, pour être au courant de ce qui se passe le samedi soir sur le CTS, il faut être sur le Discord, vous le savez. Point d'exclamation Discord, vous le rejoignez de suite. C'est un peu le carrefour là de la communauté. Si vous voulez des informations, des espions, pas des espions, si vous êtes une corpo tout à fait normale, il y a de tout. C'est the place to be en ce moment, les gars, vous le savez. Vous allez comprendre l'histoire du chien qui. Vous inquiétez pas, chat du chaos qui est là. On est en train de préparer les invités du soir. Attention, Sophie Panmi est toute mignonne, ça fait plaisir, on va la voir pour. Pour la première fois, Sophie, ça va arriver, vous inquiétez pas. Sortez le popcorn, sortez le IC, sortez tout. Et les belles fiches. Le Discord de G88, c'est un peu le carrefour culturel et économique de Star Citizen. Bah, c'est devenu ça, exactement, G. C'est toi, c'est quoi une corpo normale? Eh, les gars, là, drama international, qu'est-ce que j'ai pas dit? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. C'est sorti tout seul. C'est ma première ici, j'ai une question con. CTS. Alors, CTS, très bonne question, le man 900. C'est ta première, t'as déjà un sub et tout, quoi, c'est nickel, c'est parfait. Et sinon, salut tout le monde, salut Sukana. CTS, Citizen Talk Show. On est bientôt sur nos 2 ans, hein, je crois que mars, le 12 mars, je crois. Donc la semaine prochaine, ça fait 2 ans qu'on existe. On a eu plusieurs plateaux, plusieurs streams différents, des arrêts, des retours, des grands retours, des petits arrêts. L'espion, ça part en cacahuète. Chèvre, ça fait plaisir de te revoir. Zilto, voilà. On le revendique. Hein. Ok, la régie, moi j'attends ton feu vert. On n'y est pas encore, mais on va les voir apparaître. Je bois un petit coup, les gars. Ok, la régie, pas de problème. Alors, ce soir, les gars, maintenant, deuxième partie. Les vieux ont connu le premier plateau. Max, tu le sais. Vous avez le temps de changer de plateau 4-5 fois. Ouais, mais nous, tu sais, on se renouvelle, tu vois. Là où certains streamers... Ah oui, c'est vrai que voilà. Il y a un streamer récemment
du nom de Razmoket, aujourd'hui même, qui a dit ce streamer-là n'a pas le droit d'avoir de viewers. Voilà. Donc, écoutez, on mérite pas les viewers, apparemment. Apparemment, on mérite pas. Non, on fait des plateaux, on essaye de faire vivre le truc. Mais on mérite pas, les gars. Donc, qu'est-ce que vous faites là, en fait? Moi, je veux savoir ce que vous faites là ce soir. Run, partez de la chaîne, s'il vous plaît. Mais non, il a dit ça. Ouais, Jérôme. T'inquiète, on a des spies à gauche, à droite. Non, voilà, c'est une info qu'on a réussi à avoir. Vous avez pas honte, tout cela, bande de cancer? Vous représentez pas la commu, c'est tout. Trash, qu'est-ce que tu fais là encore? Octogone sans règle, César, à côté de la balançoire. Le CTS, c'est pas du stream, c'est du spectacle. Merci, Drangon. Voilà, ça, c'est un beau viewer, ça. Jeter du sel. J'ai pas de sel, en plus. Et sinon, il y a du sel de surtout. Sauf que ce streamer ne pourra plus jouer à la release. Chat du chaos. Bah écoute, on verra, hein, on verra. Tu mérites pas tes viewers, seulement des subs. Ah merci Kimi, ça fait plaisir. Il manquait du sel dans mes pattes. Voilà, si vous voulez du sel, n'hésitez pas. Non blague à part, super émission, ça fait extrêmement plaisir. Tirero qui est là, que fait-on là? Allez, on reçoit, la régie, on reçoit tout de suite. Qui on reçoit? Est-ce que je vous le dis, est-ce que je vous le dis pas? Je crois qu'on va recevoir Sophie Pain-de-Mie. Sandwich triangle, il y a du monde qui arrive de suite, s'il vous plaît. Les écrans, s'il vous plaît. Voilà, attention, mesdames et messieurs. Est-ce que. Attention, le CTS, c'est pas du spectacle, c'est du rêve. Ah oui, là c'est trop. Ah! Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un sandwich et on a apparemment un monsieur avec un chien. Est-ce que ce serait le chien de Massadian, peut-être? Je ne sais pas. Donc, le monsieur avec le chien, est-ce que tu pourrais te présenter? Est-ce que tu serais. Où est Sophie Pain-de-Mie? Ah, oui, Sophie. What? Merde. Oui, where bah... is Sophie? Ouais, elle va arriver en guest. La régie, peut-être. Est-ce que. Attends, il y a un problème. Moi, j'attendais Sophie Pain-de-Mie, on m'a envoyé des mauvaises personnes. Est-ce que tu peux te présenter? Ah, la régie. Oulala, Meta qui. Mais combien de subs t'as offert, Meta? T'es un fou! Non, mais merci beaucoup, les gars. Merci. Ça fait extrêmement plaisir. Attention, le micro dans le chien. la régie, t'inquiète. La régie me dit que Sophie est sur le plateau. What the fuck? Je vois peut-être le sandwich parce que l'autre c'est un homme. Non, c'est pas moi. Le sandwich? Non? Oui, c'est pas le sandwich, Sophie? C'est moi, Sophie. Je suis à base de pain, mais c'est pas moi. Qui est Sophie, s'il vous plaît? Moi, je suis perdu là. Je sais pas, mec. Salut Morph. Mais c'est toi qui tu es avec le chien? Tu peux nous expliquer? Ah, je. Merde, je crois que c'est moi, Sophie Pain-de-Mie. Merde. J'avais donc tu es Sophie Pain-de-Mie? Ouais, je d'accord. Crois que c'est moi, ouais. Ok. Et après... éventuellement, tu. Et, alors, qui tu es vraiment, en fait? Je voulais savoir ton. Est-ce que tu peux nous dire? Je suis Rafistolage. D'accord. C'est moi qui ai essayé de rafistoler la fac. D'accord. Mais j'ai échoué à ma mission. Donc ouais. Voilà, je me présente aujourd'hui pour m'excuser de mon travail. D'accord. Ok, on va en parler plus tard. Je remercie Ninouf qui a offert je ne sais combien de subs, vous êtes des fous. Solide Sophie. Donc tu es Sophie, donc si je dis pas de bêtises, voilà, donc tu es Rafi, ancien membre d'ABLOC, cofondateur OM7, on va en parler après. Tu es aussi Sophie Pain-de-Mie, si je comprends bien. Je crois que tu as d'autres identités aussi. Est-ce que tu veux nous dire tes autres identités? Mes autres identités? Je crois que tu es Uncle quelque chose? Uncle Backstraff? Uncle BS? D'accord. Pomme 57? D'accord, ça fait beaucoup. Est-ce que tu es schizophrène peut-être? T'as des problèmes de personnalité? Ouais, je suis pas très très clean niveau psy. Bon, je me soigne, hein, j'ai mes piqûres. Mais écoute, on fait avec, hein. En général les gens me supportent. D'accord. Est-ce que Sophie, là, la personnalité de Sophie va bien? Parce que je sais qu'elle avait des rendez-vous chez un médecin pour pouvoir être là. Tirero a tué Sophie, mec. Tirero a tué Sophie. Ouais, d'accord. Tableau que okay. Je représente. Ok. Alors, on va revenir sur toi. On va revenir sur toi, Sophie, ou Rafi, je ne sais comment t'appeler. Donc, le sandwich, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Quel est ton vrai pseudo? Ou tu vas rester anonyme comme ça? Ah ouais, alors moi c'est le sandwich triangle, enfin sandwich burger aujourd'hui, mais en fait je suis racheté de Trivoot. Full, yo. Non mais mec, j'ai pas aimé toupé quand la régie est arrivée en full trill, le IC n'est pas passé, vous êtes des fous les gars, putain, what the fuck, mais complet, vous êtes des malades quoi. Donc tu es...
Ah, les gars, on est en train de casser Twitch, les gars. C'est n'importe quoi. Je vous remercie d'être autant ah, aussi nombreux. Je peux pas montrer ma tête parce que je suis en infiltration chez l'Omega Protectorat, en fait. Ah, voilà. Ok. Je vous explique. C'est juste pour ça. Ok. Tonton, c'est le prochain. Tonton. Ok. Ok. Les gars, vous me faites rêver. Vous me vendez du rêve. Donc, tu es Rage Quit, c'est ça. Rage Quit Reboot, hein, si je dis pas de bêtises. Ok. Exactement. D'accord. Mais moi j'ai voulu me faire passer pour Nirine avec les gants, mais personne n'y a cru. Vous faites ah, alors oui, je te vois avec des gants. Pour quelle raison tu as des gants? Bah, je vais te dire, ouais, je voulais me faire passer pour Nirine. Je me suis dit, je fais un petit costume, un petit cosplay ouais. là ce soir. Ouais. Personne n'y ouais. a cru, j'ai vu les N7 dans le chat. Ça a pas non, manqué, c'est pas passé. Pas t'aurais pu, hein, t'as un peu le ouais. t-shirt noir et rouge. Je sais pas. Petite tête tranquillou. T'as quel âge? T'as 20 piges, toi, c'est sûr. Ouais, ouais, dans les 20. Ouais, ouais. C'est sûr, hein, c'est sûr. Donc Rashquit, je te présente, ancien Fagan, tu ouais. vas nous l'expliquer, ancien Dablock et membre OM7, hein, c'est ça hein. C'est ça, on m'appelle le parrain sniffer de coke. What? Ok, d'accord, ça fait rêver de voir un sandwich qui parle. Il roule sur l'or de la Fagan, le mec. Ouais, c'est ça. Alors toi, tu es aussi sandwich triangle, hein, c'est ça? Exactement. Ok, d'accord. Question. Certaines opérations. Ok, d'accord. On va en parler, les gars. On va en parler. Le chien a été acheté quand, nous demande Narjit. Le chien? Ouais. Wow, celui-là, à mon avis, à la création de Sophie Panmi, mec. Ok, d'accord. Bah justement... Il y a 3 ans, 3 ans et demi, ouais. Alors, quand est-ce que Sophie Panmi a existé? Quand est-ce qu'elle a été créée, en fait, finalement? Ouais, faudrait que je regarde sur Twitch sa date de création, mais ça doit être genre juin 2017. D'accord, ok. Ça a daté. Et tu l'as créé pour quoi en fait? Pour quelle raison? À la base, Sophie Panmi, c'était pour m'incruster dans les tournois des tournois un peu haut niveau de Hearthstone sur Twitch. Ouais. Et il laissait pas rentrer tout le monde et tout. Je me suis dit, si je fais une e-girl, y a peut-être moyen. Et ça a marché de ouf. Hein. Les mecs, ils étaient là en chien. Ils invitaient Sophie Panmi. Je pouvais aller faire les tournois en live. Et je me suis régalé d'accord. avec ça. Après, j'ai maté plein de streams et il s'est passé plein de choses avec Sophie Panmi. Ok. Xahu, j'y ai pensé aussi, mais je me suis dit, bon, il faut respecter le sandwich de ce soir. T'as l'air d'être très bon, Rage Quit, en tout cas. Hein. Ça donne ouais, faim. Il est appétissant de ouf. Est-ce que t'es salade tomate oignon? Sandwich, c'est pas pire qu'un autre. T'es salade tomate oignon, ce que je vois là? Moutarde. Ok. Sauce algérienne un peu ou pas du tout? Ouais, à la menthe verte. Ok, d'accord. Fais gaffe parce que la régie, fanboy du Berit, elle va te buy instant. Hein. Du coup, on la revoit quand, Sophie? Il est chelou, le mec. voilà. Alors, tu disais au début, tu as créé Sophie pour quel jeu? Pardon, excuse-moi, tu peux répéter? C'était pour Hearthstone, le jeu de cartes. Hearthstone, bizarre. Ok, d'accord. Et au final on la retrouve sur Star Citizen? Ouais, alors, c'est une longue histoire, parce que en 2017, j'ai croisé Water Patate, je crois que c'est sur League of Legends. J'ai même joué avec elle. D'accord. Donc Water Patate, je la présente, c'est une streameuse actuelle sur Star Citizen, c'est bien ça? Ouais, j'ai joué avec elle, elle se souvenait de moi, et quand elle m'a revu sur SC, elle m'a sorti un petit « ma plus vieille followeuse !» D'accord, ok. Je me suis dit « oula, il y a un truc à faire ». Ouais. J'avais essayé de faire une vanne aussi chez Svo avec Sophie Panmi. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient mordu. J'avais rédigé un faux article en anglais qui disait que pendant les émeutes aux États-Unis, les studios de CLG avaient été saccagés et que la boîte allait couler. Et j'avais balancé ça sur le live de Svo. Svo, il n'y a pas cru, mais pas une seconde. Par contre, dans les viewers, ça s'est un peu enflammé. Okay. Là, je trollais avec Sophie. À la base, je ne pensais pas faire du spy avec ce perso. D'accord. Ouais, voilà. Alors, pourquoi vraiment? Dans quelle situation tu as utilisé Sophie Panmi, en fait? Ouah, Sophie, elle nous était trop utile. Elle servait surtout à faire copain-copain avec les orgas et les streamers. Ouais. Et elle servait de jump pour, ouais. pour attaquer, par exemple... J'ai zéro tolérance, il a attaqué Terada un petit peu avec, un petit peu patate, d'autres streamers. Ah, ça balance. Ouais. Ok, ouais. Non, mais ça balance pas, il y a autorisation. Hein. Ok, d'accord. On brise l'Omerta, Sophie est morte, elle a été tuée par Cerero, donc on parle maintenant. Alors, crash, hein. quand tu dis tu utilisais Sophie pour attaquer telle ou telle personne, Sophie était dans quel orga à ce moment-là? Elle a toujours été touriste borgne, hein. Ils m'ont accepté sans problème. Je leur ai sorti que j'avais pas de micro parce que mon père, il regardait la télé à côté, que ça l'emmerdait. Ah.
Donc, okay. Ils m'ont dit pas de problème. Ils m'ont, okay. Ils m'ont reçu. Ouais, c'est passé. Okay. Ouais, Sophie, elle a servi aussi au Shadow Moses. Elle a servi à jumper sur le démarre rallye, foutre un peu le why. Le tournoi de Terada aussi. Ouais. Elle a servi d'ablock, hein, à attaquer l'Omega Protectorat, le tonton David, plein de fois. Elle était très copine avec tonton. Hein. C'est d'accord. Son élève, attention, hein, il lui a tout appris. Mais personne autre que Zvonimir, qui est un génie, forcément. Personne n'a eu de doute. Tu t'es jamais fait un peu griller ou ça a été compliqué en fait de te couvrir de ça? Non, j'ai pas l'impression. Les gens étaient un peu curieux de savoir pourquoi je voulais pas vocal et je disais que j'étais bègue, que j'avais honte de parler et ça passait. Hein. D'accord. Non, je pense pas. Il y a personne qui m'a dit un jour ouais, mais t'es un mec, ouais, t'es chelou. Je sais que les gens le pensaient dans le dos, mais je pense Raffi est un génie. Raffi est un génie et il sait camoufler ses traces. Ouais, un truc est sûr. Tonton David m'a grillé aujourd'hui. Je pense que j'ai trop forcé. Par contre, il y a d'autres streamers qui, jusqu'à là maintenant, croyaient encore en Sophie Panmi. C'est certain. Ok, d'accord. Et du coup, tu as utilisé Sophie Panmi pendant 3 ans. 3 ans et demi, en fait. Bon, sur SC, que depuis juin. Moi, je suis là que depuis juin. Donc, je ne l'ai pas utilisé avant. Par contre, sur d'autres jeux, ouais. Elle m'a servi à faire pas mal de conneries sur d'autres jeux. D'accord, ok. Qu'est-ce que je voulais te dire? Beaucoup de personnes étaient au courant que tu étais Sophie Panmi ou pas? Alors, même Dablock n'était pas au courant pendant plus d'un mois. Je leur disais pas, je m'en servais, mais sans leur dire, je leur cachais. D'accord. Petit à petit, j'ai été obligé de cracher le truc. Zéro, j'ai trollé aussi un petit moment avec et j'ai fini par lui dire. Mais c'est tout. Voilà, je crois qu'il n'y avait que ça. Hein. Dablock et Zéro. Séquence un peu drama là. Est-ce que tu t'es déjà fait draguer en étant Sophie Panmi là? Est-ce que t'as pécho? Oui. Mais. Tu peux lâcher des blases ou pas? Non. Quand on commence à flirter avec Sophie Panmi, je bloque, je coupe les ponts et tout parce que là, D'accord. Dans un délire qui est malsain. Et... Ça me casse les couilles aussi. J'aime pas me faire draguer. Donc par des mecs quoi. Donc je sais pas. Voilà, c'était ma limite. Okay. Mais ouais, ça a dragué Sophie un petit peu, ouais. Pourtant, merci Meta. Voilà, merci j'ai Meta. Pas envoyé des nudes, hein. Non, mais écoute, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que. Par contre, j'en ai reçu. Je déconne. Que peux-tu dire à tous ces cœurs brisés que tu laisses, que tu as fait fantasmer, qui voulaient te. Hein, et se marier avec toi, Sophie Panmi. Qu'est-ce que tu leur dis à toutes ces personnes que tu as pu piéger? Est-ce que tu en as pris du plaisir? Est-ce que... En fait, pourquoi t'as fait ça au final? Piéger, oui, c'est ton gameplay. Si j'ai brisé leur cœur, je les emmerde. Ok, bro. Mais je voulais savoir. grosse ambiance, c'est d'un coup. Non, mais question importante. Les hommes sont les petites filles sont des agents du FBI. Moi, j'étais amoureux de Matal. Ah, ça, c'est autre chose. On en parlera, je crois. Je voulais savoir, merde, j'ai perdu ma question, j'avais une bonne question en plus, les gars, putain, vous me faites lire des messages de fou, là. Alors, les dragueurs... Non, attends, faut que je me remette ma question, c'est une bonne question, les gars. Qu'est-ce que t'as à dire aux personnes que tu as pu piéger? Rien de spécial? Par rapport à Sophie? Ouais. Pour la plupart, c'était des gens qui faisaient des events, parfois qui avaient des lives ouverts. Ça a direct pleuré au streamac et de là j'ai envie de leur dire les gars vous êtes fait spy, c'est tout, hein, voilà, vous aviez Sophie Panmi incrustée dans votre event, vous invitiez vous-même Sophie Panmi sur votre event et puis elle aurait très bien pu être la copine d'un pirate comme Scrap Crimson, hein, ça c'est le bobard qu'on a sorti il y a quelques jours, donc voilà, arrêtez de pleurer au streamac à chaque fois que vous vous faites attaquer par des pirates, on a des taupes, on a des techniques, on n'est pas non plus juste là à ouvrir un live et puis à vous attaquer comme vous croyez. Ouais, donc pour vous c'est vraiment un gameplay à part entière, ça fait partie du jeu, le jeu l'autorise, on peut, c'est ça que tu es en train d'expliquer en fait finalement. Ouais, après ça autorise pas, j'en sais rien en fait, je m'en fous un peu, mais ouais, on surtout on que les gens. Les tactiques sont inclus dans le jeu. Je veux dire, à partir du moment où tu peux jump sur le serveur d'un mec parce qu'il t'a ajouté en ami, ça marche dans les deux sens. Si tu le niques, il peut aussi te niquer, en fait. Donc bon, tu vois un gameplay qui est dangereux, mais qui est autorisé.
Les gars, j'ai beaucoup de mal à faire l'émission en voyant Sandwich qui parle. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. Il est déstabilisant, le Sandwich. J'ai la régie qui se tape des barres, c'est n'importe quoi, les gars. Je pense à Uber Eats, j'ai faim, voilà. la régie est par terre, les gars, c'est n'importe quoi. Yo, Moro, tu arrives au bon moment, tu vois. Rafi, je voulais savoir, en fait, comment toi, tu... Après, on passera un peu sur H8. Je voulais savoir un peu... c'est pas très crédible, tout ce que tu dis. Rafi, je voulais savoir un peu, toi, comment tu te considères en tant que joueur? Tu te considères vraiment comme un espion? Comment tu te vois? Est-ce que tu as plusieurs images, plusieurs facettes? Ouais, je me suis jamais trop posé la question. Je suis un joueur qui cherche toujours le endgame sur les MMORPG. Là, il n'y en a pas parce que le jeu, il n'est pas là. Donc, je pousse au max là où je peux, où j'ai envie. Donc, à un moment, j'ai un petit peu travers le dogfight, mais on voit que la gueule des patchs ne le permet pas trop. Donc, ouais. L'espionnage, c'est nouveau pour moi, mais voilà, bah, je pense que plus tard, éventuellement, j'essaierai de pousser là-dessus. Je me vois comment? Je me vois comme un joueur de SC qui arrive à s'amuser sur l'alpha, contrairement à beaucoup, j'ai l'impression. Vraiment, j'arrive okay. à trouver mon plaisir et c'est D'accord. pas le cas de tout le monde. Alors, on voit Rafi qui est en train de manipuler le chien. Je pense qu'il cherche des micros à l'intérieur du chien. Ouais, j'essaie de voir s'il m'avait pas griffé mon adresse IP ou ouais. mon adresse caramel, un truc ouais, du ouais. Caramel. Ça a l'air d'aller. Je voulais savoir pourquoi ce soir, finalement, tu tues Sophie Pain de Mie, en quelque sorte. Pour quelle raison tu fais ça? Moi? Ouais. Quand j'ai quitté Dablock, j'ai vu que c'était tendu avec Cirero. J'ai dit à Scrat, Sophie, elle meurt avec mon départ du bloc. Elle meurt, okay. Elle se rabalance à un moment ou à un autre. Parce que lui, Cirero était au courant des agissements de Sophie Pain de Mie sur la fin, en fait, hein, c'est ça? Bah, Cirero, si tu veux, j'avais full confiance en lui. C'était à lui que je donnais tous mes alts. Il y a pas mal d'alts que les autres connaissaient pas et lui, il les connaissait. Okay. Et on est parti en termes corrects. Mais voilà, je savais au fond de moi que Sophie, elle mourrait de toute façon tôt ou tard. On en a profité encore un petit peu. Puis là, d'accord. Là vous avez, ceux qui ont vu la vidéo ont compris que bah, rip. Ouais, rage quit. Ouais, c'est vraiment triste parce que quand Rafi en a parlé, j'ai dit non, mais c'est pas possible. On peut pas imaginer que Cirero, le chef du bloc, ancien orga, pirate et compagnie, puisse balancer à des orgas ou à qui que ce soit ce genre d'infos. Et pourtant, il l'a fait et on en a les preuves. Et c'est complètement dingue en fait. Ce mec mérite pas de jouer en fait. Ok, c'est un truc de ouf de voir un sandwich qui parle. J'ai bugué les gars ce soir. La régie m'a gonflé. Putain, je kiffe ce sandwich, ce burger. Et ouais, j'en peux plus. Les gars, c'est nimbe en fait. T'es mal. T'as des beaux yeux d'oignon. Rashquit, tu fais rêver. Ouais, mais faut que j'aille chez le dentiste, je crois. Ah, je crois que c'est chez le dentiste. Raconter l'escroquerie des Fagas là, avec son avatar là. Ouais, complet. ouais, je voulais savoir, Rafi, t'as plusieurs comptes apparemment sur Star Citizen. Comment t'as fait pour avoir autant de comptes? T'as une grosse carte bleue? C'est quoi ta technique là? Bah non, justement, parce que bon, j'ai mis un petit peu d'argent dans SC, mais je l'ai foutu sur mon compte principal. Et pour mes comptes secondaires, bah, j'ai gagné les giveaways, hein. Je les égriffe, comme on dit chez nous. J'ai griffé les giveaways okay. Chez Terada, chez Kirmala TV, Touriste Galactique, enfin tout le monde. Quoi. En fait, tu veux dire par là que ces streamers qui t'ont offert des vaisseaux, finalement, tu as un compte N7, ok. T'en es servi finalement pour les spies en fait. C'est... Ouais, mais spies c'est que des comptes gagnés. C'est... Ok. Je me pointe sur les lives avec mes Twitch, je griffe le giveaway et je crée un nouveau compte. Ok, merci Terada, merci, merci qui encore? Merci bah, Terada, Kirmala TV, Waoli, pas Waoli, c'est ce que je vois son nom dans le chat, pardon. Ouais. Merci Touriste, merci. Il y en a tellement, je me souviens plus. La N7, hein, Nirin. Ok, voilà. Ok. C'est peut-être Tito qui l'avait offert, c'est Tito plutôt. Merci Tito okay. pour. Merci Tito d'avoir financé un spy, ça fait extrêmement plaisir. Rashquit, on va revenir un peu sur toi. Toi, tu es ancien Fagal, hein, c'est bien ça. Hein. Ah, en gros, concrètement, hein, moi j'ai commencé SC en septembre 2020, je suis tout neuf. Ah oui, ok. Je suis un ancien Fagal recruté au bout de 10 minutes, j'arrivais pas à sortir mon ship de mon hangar. Donc okay. le chat m'a aidé, je me suis retrouvé là-bas. Et puis je me suis vite retrouvé attiré un peu du côté obscur, recruté par Rafi, hein, du coup, suite à une infi qu'il a fait à la Fagal, sous le nom de Matal. Ouais.
Et puis bon, il y a eu un peu de drama au sein de la Fagale, je reviendrai pas dessus, mais un peu encore des histoires du Carnia Gate, hein, toujours des histoires des coûts, de machin, d'IP et toute la merde. Bien sûr. Et j'ai été recruté par le bloc, du coup. Ok, d'accord. Et chez le bloc, qu'est-ce que vous t'as pu y trouver, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que nous, on a reçu Firero qui nous a présenté Dabloc. Voilà, nous, on savait un peu, j'imagine qu'il ne nous a pas tout dit, mais on a vu les différentes activités avec des attentats, etc. Mais si tu peux un peu redire un peu voilà, tous les viewers, etc., quelles étaient vos activités chez Dabloc? Du gameplay pirate, du gameplay attaque, un peu de gank, du PK. Enfin, c'est. Comment dire? Pour moi, c'était intégrer le monde pirate, découvrir un peu ce gameplay, et puis découvrir une équipe de super mecs, hein, parce que tous les membres du bloc étaient vraiment top. Ouais. Et je crois que la seule vraie attaque que j'ai fait sous l'égide du bloc, c'est le démarre rallye. D'accord, ok. Voilà. Et on s'est vite barré, en fait, pour rejoindre l'OM7 quand Cyrero est parti en vrille. Essaye pas de me bouffer, s'il te plaît. J'en ai encore besoin. on est parti rejoindre le projet de Scrat quand Ciro. Enfin, on n'était pas tous raccord en fait sur la vision du bloc. Voilà. Alors voilà, justement, je voulais savoir pour quelle raison vous étiez partis, donc tous les deux en même temps. Hein, pour quelle raison vous êtes partis du bloc? On n'est pas partis vraiment en même temps. Hein, c'était un petit peu les uns après les autres. D'accord. Comment dire? Ciro avait des rêves de Twitch, des rêves de grandeur, de YouTube, de ce genre de choses. Ouais. Nous, on était plutôt dans un délire de petit orga, on se connaît, du réseau, ce genre de choses. Ok, d'accord. Des visions aux antipodes. Et Scrat a monté un projet avec Rafi, et puis je crois que c'était plus séduisant. Voilà, simplement. Divergence d'opinion sur le bloc. Il commençait à y avoir des soupçons que Cirero copinait avec l'ennemi. Balançait ses alliés et compagnie. D'accord. Et puis il y avait un beau projet de l'autre côté, tous les copains y étaient, donc je crois que naturellement tout le monde s'est cassé. Rafi, reprends la main là-dessus si tu veux expliquer. Ouais, je voulais savoir, du coup tu disais, Cirero parlait avec l'ennemi, est-ce que l'ennemi c'est la Fagale, je ne sais pas, mais en tout cas, on a vu sur votre fameuse vidéo que vous avez sortie hier ou avant-hier, que Cirero avait vendu la mèche à ton sujet, Rafi. Et aussi au sujet de Sophie Pamy, est-ce que c'est la raison pour laquelle vraiment il y a eu des menaces, des pressions? C'est pour ça que vous êtes parti de Dabloc ou pas? Non, ça s'est fait après, ça s'est fait après, mais ça prouve qu'il y avait déjà copinage avec Massaliane et on n'était pas trop d'accord. Massaliane vendait du rêve à Cirero, du genre vous serez peut-être la branche pirate de la Faga, des choses comme ça, on n'était pas du tout d'accord avec ça. D'accord. Ça après, est-ce qu'il a dit oui, est-ce qu'il a dit non Cirero? On n'en sait rien, hein. On n'est pas dans les petits secrets, quoique on a peut-être un peu des screens, mais... On gardera ça pour plus tard. Moi j'ai quitté Dabloc en premier un peu tout seul et je pensais pas vraiment. Je pensais être en roue libre tout seul pendant un moment, mais l'OM7 m'a rattrapé. Ouais. Donc on n'est pas vraiment parti en même temps. Ok, d'accord. Si Cirero il est là, mec, tu peux intervenir, hein, n'hésite pas à écrire sur le chat si tu veux un droit de réponse. Et puis Jura, il y a quelques preuves déjà sur la vidéo qui est sortie. Si tu la regardes, tu verras vers la fin. Voilà. Après, je fais pas de la pub, mais. Vas-y. Ouais, bah justement, on voit. Non, c'est pas en entend, c'est à l'écrit, c'est un Discord, je crois. Où on entend Cirero discuter avec Massaliane, hein. C'est bien ça, les gars. Ouais. On a la vidéo, on a l'audio sur à la fin de la vidéo Carnarok vs la vérité, où on les voit en train de copiner, et puis Carnarok arrive à faire crasher Cirero, tous mes comptes quasiment, enfin tous les comptes que Cirero connaissait, des identités qui n'étaient pas super utiles, sauf Sophie. Donc vraiment sans pression, quoi. Ok, on avait un petit peu de tension, parce que sur le CTS, on s'était un petit peu clashé, lui et moi. Il avait un petit peu trash talk la vidéo Ordre Noir en disant votre RP c'est un peu nanar machin et tout. Je lui avais dit écoute gros t'es pas en mesure de répondre ça à Joe, à Majet. Ouais. Donc il y avait un peu de tension et cette tension elle s'est transformée en balance. Alors que la balance dans le monde un peu spy et tout, c'est quand même limite quand tu te dis chef d'une orga pirate avec de l'espionnage, etc. Ça le fait pas, ça le fait vraiment pas. Ok. Est-ce que c'est toi qui as envoyé Massaliane vers Cirero ou pas?
Ouais, ce jour-là, oui, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu arriverais à le faire crasher, d'accord, lui soutirer, ouais, clairement. D'accord, j'ai, ok. J'ai utilisé ma manipulation, imprise un petit peu que j'avais créé, la relation que j'avais instaurée avec ma Sayan pour qu'il fasse ça, ouais. Ok. Et là, la Dabloc, actuellement, ça en est où? Il y a encore des membres? C'est encore actif? La quoi? La Dabloc. Dabloc, ça en est où actuellement? Sandwich? Non, mais plus sérieusement. Bah, en gros, oui, il y a encore des membres. Il y en a un, il s'appelle Cirero. Et puis le bloc, il existe uniquement dans les rêves de Cirero. C'est vraiment ça. Tout le monde s'est barré. Ou les mecs sont partis jouer à d'autres jeux. C'est tout. Voilà, donc d'accord. Tous les membres qui sont là sont pas là, en fait. D'accord, ok. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce départ de Dablog sur Cirero? Ouais, des regrets, parce que franchement, il y avait un putain de lore, il y avait une putain de langue, il y avait une putain de base. Le projet était cool. Voilà, fallait juste un autre lead et que Cirero, il reste, comme il disait lui-même, l'arbitre extérieur du projet qui juge. Il avait dit lui-même au début, je serai l'arbitre, je juge si ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, ça colle avec mon idée. Et au final, il a voulu tout diriger, nous a verrouillé le projet OM7, qui était un projet à la base à l'intérieur du bloc, et on s'est braqué. Voilà, on s'est braqué. Ok, carrément. D'accord. Donc les gars, dans le chat aussi, dans quelques minutes, on va parler du dossier Fagalsard. Restez, c'est pour dans quelques minutes. Donc à la suite de ça, vous rejoignez, créez l'OM7. Ouais, sur une idée de Scrat qui à la base aurait été une ouverture de Dablock sur la piraterie française dans un premier temps, parce qu'il y avait des gens qui voulaient bien jouer avec Dablock, mais qui voulaient pas d'orga ou qui étaient dans d'autres orgas pirates, et nous on voulait une ouverture du Discord sur ces gens là et des droits pour les officiers de notre rang de gérer ces channels là, et Cirero nous a demandé de faire clairement une demande écrite, comme si on était à l'Oméga, quoi. Rédigez-moi une demande, formulaire, on n'est pas la Fagal, nous, hein. On te demande un truc, tu dis oui, tu dis non, là, en vocal, on ne cherche pas à faire de la paperasse, on n'est pas des secrétaires. On lui a fait son putain de papier, on lui a envoyé, et un jour, on lui a demandé, ça en est où? Il a dit, le quoi, le papier? J'ai pas reçu. Hein. Donc, on s'est cassé, quoi. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Ok, d'accord. SC, c'est la série Dallas, c'est un peu ça, les gars. Qu'est-ce que je veux dire par là? À l'OM7, qu'est-ce que vous faites? C'est les mêmes activités que chez Dablock? Ouais, mais avec un peu moins de limites. Disons qu'on est plus libre, hein, tu vois. Chacun okay. Amène ce qu'il veut. Voilà, Rajquid, je voulais savoir, parce que toi-même tu as un sandwich, est-ce que tu manges d'autres sandwichs? Comment tu fais pour manger? De quoi tu t'alimentes? Je me bouffe un peu le bord, mais sinon, je m'alimente souvent de rock, de prospector, mais pas que. Ok. On bouffe de tout, hein. On bouffe tout ce qui passe par là, du gros, du petit. Ok. On s'entraîne, quoi, c'est l'alpha. Ok, en tout cas, t'as de très beaux yeux, ça fait extrêmement plaisir. salut Bluster. Ok, bon les gars, on va passer au dossier un peu lourd pour ce soir, le dossier Fagalsard. Et on va expliquer directement l'infiltration à la Fagal. Pour Dablock, en fait, quand vous étiez chez Dablock, vous êtes infiltré chez Fagal, c'est ça? On s'infiltrait régulièrement, ouais. D'accord, ok. Pour quelle raison? C'était pour les faire tomber ou c'était pour avoir des infos? Non, on fait rien tomber. Nous, la Fagal, ça nous arrangeait pas qu'elle tombe. Hein. C'était notre crousty choco du matin, on en avait besoin. Donc, qu'elle tombe, ça nous arrange pas plus aujourd'hui qu'à l'époque. Hein. D'accord. Donc, non, mais on l'infiltrait pour faire des petites attaques, des petits attentats sur les events, sur les sorties. Voilà. Ouais, puis ça permet de s'entraîner. La Fagal, c'est Rafi qui a dit ça un jour, je crois. C'est... La Fagal, c'est là où on va quand on sait pas quoi foutre, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Bah, d'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Rafi. Hein. Il est arrivé, il a infiltré la Fagal avec un perso qui s'appelle Matal et qui zozotait, hein, qui parlait un peu comme ça, tu vois, je sais pas trop. Attends, Rafi, tu peux nous faire ou pas? Rafi, bah, on va demander à Rafi de nous faire. Peut-être. Ça fait longtemps, Matal. Alors, Matal, c'est un personnage inspiré par Zéro Tolérance, parce que Zéro Tolérance, quand il se moquait un petit peu des pilotes de Caterpillar et tout, il prenait un accent. Et. Pendant l'entretien de recrutement Fagal, je me suis bien zozoté. Bonsoir, salut, c'est Matal. Comment vous allez, les gars? D'accord. Comme ça, en parlant, j'ai fait 2 mois comme ça. Et ça s'est passé.
C'est passé inaperçu, t'as été recruté. C'est passé crème. Hein. Crème. Bah, tout le monde a accepté mon jugement. Ça s'est un petit peu moqué de moi sur Discord. C'est arrivé, oui. D'accord. J'ai vécu okay. un petit peu de moquerie. C'est assez énorme. C'est assez énorme, c'est qu'à l'époque, moi, j'étais à la Fagal et j'enquêtais bah, avec tous les autres membres Fagal sur les taux pour couper les infos, ouais. mettre en place des stratégies. Et on avait découvert que Matal était une pomme pourrie un peu. Et okay. on le laissait tourner. Massalian avait dit, il faut le garder au chaud, tu vois. Ok. Et bon, bah, on le gardait au chaud, on le foutait un peu dans des trappes, genre sur des events où il y avait un chip à protéger, on le foutait dans le chip. On s'est dit comme ça, si le bloc attaque, tu vois, ils vont être obligés de péter okay. leur pote. Un peu genre de truc, c'était assez drôle, et puis un jour il s'est dévoilé parce que bon, il a compris qu'il était cramé, et il a expliqué le gameplay, tu vois, d'une manière vraiment très cool, et je crois que c'est ça qui m'a fait vriller, et qui m'a fait venir au bloc en fait. Ok, d'accord. Ouais, ça donc... plus le premier drama que Zéro avait ressorti sur son Discord, la première vidéo Massalia. Les écoutes, machin, ouais. Trigger, les trucs, enfin, ça t'avait fait... Ah, j'avais vrillé là-dessus. Ouais. Ok. Et à la suite de ça, bon, vous partez chez Dablock, il se passe ce qui se passe. Vous quittez Dablock, et de là, Massalian, Rafi te propose une activité, c'est ça? Alors, dès mon départ Dablock, je reçois un coup de fil Discord, Massalian. Carnarok me téléphone, et il me dit, je vais avoir une branche pirate, il va me falloir quelqu'un à la tête de ça, il me vend du rêve. Il me dit, j'aime ton gameplay, il n'y a pas beaucoup de spy, j'aime bien ce que tu fais. Moi, je peux te proposer accès à des bases de données contenant des informations sur toutes les orgas. Tu serais analyste, tu serais espion pour moi. J'ai un système renforcé par des agents, des anciens agents de la DGSE. Ok. Voilà, il m'a proposé comme ça du rêve. J'ai senti le bullshit, j'ai senti la merde. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ce type? Je peux pas travailler pour lui et annoncer ça aux copains, dire les gars, je travaille pour Massalian, c'est pas possible. Je l'ai mis dans une petite boîte et je me suis dit, un jour peut-être ce mec-là, il me servira à quelque chose. Et puis ça a dormi comme ça pendant 2 mois. D'accord. C'était, okay. Ça, c'était novembre, décembre, à peu près. Donc, il te dit clairement, je vois Zeto qui dit « Rashqui, tu me donnes trop faim, c'est abusé. » On est d'accord là-dessus, Zeto. Je dis toutes. mais tu dis clairement, Massalian te dit « J'ai des techniques d'espionnage, style DGSE, etc. » Je vois que ça réagit ouais. dans le chat. De là, tu te dis « Bon, il y a une couille dans le pâté. » ouais. Là, tu le prends pour un mytho ou tu le prends au sérieux? Non, je le prends full pour un mytho. Je me dis, dans le meilleur des cas, il dit vrai. Et bah, je vais lui pirater sa base de données, là. Je vais les récupérer tout ce qu'il va me donner, il me donne accès, je vais tout choper, tu vois, je vais tout récupérer. Et s'il a vraiment des techniques de la DGSE, je vais les apprendre et je vais m'en servir plus tard. Et je me dis, sinon, dans le pire des cas, c'est un mytho et puis je vais le prouver. Okay. Si j'en ai l'occasion. D'accord. Si j'en ai l'occasion, à ce moment-là, je n'ai pas l'occasion, attention. Alors, voilà, toi, ton projet, quand Massalian te contacte, c'est un peu flou, après la discussion, tu te dis, il y a moyen peut-être de le piéger, c'est quoi? Est-ce que ouais, tu vois ouais, une vision plus lointaine? Je me dis, dans un futur lointain, je reviendrai peut-être vers lui, il reviendra peut-être vers moi, mais l'idée c'était, est-ce que je récupère ses accès à ses bases de données sur toutes les corpos et je chope Laurence, ou est-ce que je prouve que c'est un mytho et voilà quoi. Parce que clairement, on m'avait toujours dit que c'était un mytho, qu'il mettait la pression aux gens et... Why not, tu ok, vois, d'accord. Et de là, on arrive à la fameuse histoire, ça y est, on est 22h40, les gars, c'est un peu tard, je suis désolé. Tu rencontres par hasard un joueur de la Sarde, c'est bien ça? Ouais, il est là sur le live. Il ah, est là. C'est qui? C'est qui? Un ancien White Rabbit, un célèbre pilote, Dogfighter, ouais. Par Javel. Il m'a croisé en Arena Commander. Moi, je connaissais son nom, il me connaissait pas. Il a vu que j'avais pas d'orga, on a fait quelques duels. Et bah, il m'a contacté Discord et il m'a dit voilà, j'essaie de monter un petit roster, enfin d'agrandir un petit roster au sein de la Sarde. Ouais. Et il m'a proposé voilà, de venir à sa rencontre. J'ai pas répondu oui dans l'immédiat parce que je me suis dit la Sarde, pourquoi pas, mais moi je suis un pirate, hein, je vais pas dans des corpos mercenaires, bounty hunter. C'est vrai que j'avais pas d'orga, c'est vrai que j'étais un peu solo, mais je voulais y aller. Pour une raison. Et cette raison là, ça a fait la connexion dans ma tête. Je me suis dit, ça c'est la Sarde, c'est la nourriture pour Massalian, ça. Ok. Je vais spy la Sarde, je vais donner à manger à Massalian.
et tout va partir de là. D'accord. Merci Berja. Donc à ce moment-là, c'est ton projet, nourrir Massalian. Et pour quelle raison? Vraiment pour faire tomber Massalian, pour faire tomber la Fagal? Juste pour non, toi, ça t'amuse? C'est quoi vraiment le but? Évidemment, oui, que ça m'amuse, mais parce que bah, voilà, moi je suis dans la piraterie dans ma tête depuis le début, depuis que j'ai mis les pieds sur SC, je matais les streams des pirates, clairement, tout ce qui est Fagal, Sard ou n'importe quel autre corpo qui n'est pas pirate, pour moi ce sont des cibles. Ce sont okay. des cibles, donc ça ne me dérangeait pas de spy une orga comme celle-là pour nourrir un chef d'orga toujours dans ce style-là, dans le but de nuire à tout le monde, mais nuire comme un pirate, hein, pas comme un mec okay. qui veut faire du mal aux gens. Alors je vois Street Fufu qui nous dit « Étant Fagal, cette histoire a mis en lumière des machinations qui sont pour moi incroyables. Il s'agit juste d'un jeu vidéo. » En tout cas, je quitte la Fagal, mais je suis bien dégoûté. Est-ce que tu as conscience d'avoir peut-être explosé une orga? Peut-être, on ne sait pas la suite encore, hein, mais je sais qu'il y a de nombreux membres de la Fagal qui sont partis, qui ont créé une nouvelle orga du nom de Army. Est-ce que tu as conscience que tu as cassé quelque chose? Bah, regardez Sandwich, t'es malheureux Sandwich, toi t'as quitté la Fagal, il dit qu'il est dégoûté. Je suis devenu une saloperie de pirate, je vais me suicider, je reviens. Alors, honnêtement, je pense que c'est plutôt une bonne chose. C'est con parce que la Fagal, il y a beaucoup de gens vraiment sympas dedans et qui payent pour les conneries de leur état-major qui est inexistant ou le peu qui est existant fait que de la merde. Donc, c'est peut-être une bonne chose qu'ils partent sur un fresh start et puis qu'ils se décollent cette étiquette Fagal de la tronche pour faire quelque chose de cool, quoi. D'une manière D'accord. simple. Ok. Ok, c'est un point de vue, les gars. Rafi, je voulais savoir. Toi, donc, tu arrives à avoir un contact Sard. Tu es recruté chez les Sard, on est d'accord? Est-ce que les Sard te connaissent? Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils ont des doutes sur toi à ce moment-là? Ouais, des doutes, oui, parce que je suis pas très connu, mais j'arrive en tant qu'ancien membre d'ABLOC qui a pas bonne réputation. Ouais. J'arrive comme un mec qui fait de l'espionnage, qui a du réseau, et ils sont au courant. Ils sont au courant de tout, sauf que je joue carte sur table. Ils ont même été éplucher un petit peu la chaîne du bloc pour voir un peu les vidéos où on me voit jouer, où on me voit m'infiltrer, où on me voit rigoler. Donc ils étaient au courant de tout, mais comme j'ai joué carte sur table depuis le début, ils se sont dit why not? Peut-être que le mec veut vraiment se ranger. Okay. Je spammais l'argument du mec qui en avait marre de casser du prospecteur autour de PO. Évidemment, au fond de moi, je savais très bien que c'était pas la base du gameplay. Mais ça a mordu, ça a fonctionné. Ok, donc tu étais quand même chez les Sard pour créer une guerre Sard-Fagal, parce que les Sard et les Fagal ont bien déclaré « nous sommes en guerre ». En fait, tu as été le précurseur de la guerre entre ces deux orgas sur Star Citizen. Alors on va éclaircir un petit peu, parce que c'est vrai que sur la vidéo, je m'attribue un petit peu le mérite d'avoir déclenché la guerre. J'ai mis le feu aux poudres, mais croyez-moi, les braises étaient chaudes. Les braises étaient chaudes. Breton entre les deux chaud pour, okay. Ouais, en fait, la Fagal, considérer la Sard et toute l'alliance anti-Fagal comme des ennemis à abattre. Et de leur côté, les Sard préparait dans l'ombre avec KEC, avec Marauder, une vraie guerre hein, qui se déroule mais D'accord. cette année. Voilà. Donc moi j'ai simplement été l'accélérateur en fait finalement. Ouais, j'ai vraiment accéléré, mais je pense que la guerre elle se faisait sans moi, sans problème en fait. Ok, ok. C'est un peu l'allume-feu quoi. L'allume-feu. Ok. La famosa alliance anti-Fagal, c'est qui l'alliance anti-Fagal? Ok, d'accord. Est-ce que tu as réussi finalement à avoir des infos sur la Sard que tu as pu transmettre à Massalian, des trucs un peu croustillants? Est-ce que tu regrettes des choses? Comment ça se passe là dans ta tête? Alors, quand tu es chez la Sard et que tu prends des infos sur eux? Ouais, la Sard m'a super bien accueilli, vraiment ouais. une bonne team, des gens sympas. Et c'était pas ma cible principale, évidemment, comme c'est pas une corpo pirate avec qui j'avais envie de traiter, si j'avais pu faire un petit peu de nuisance, de chaos. Peut-être, mais quand tu vois que les mecs ils sont en or, t'as pas envie de les faire chier quoi. Donc ouais, j'ai donné du rance, mais je vais vous dire quoi, c'est-à-dire de la merde. Hein.
dans un premier temps des enregistrements de Breton qui insultent un peu Massalian parce que bah il l'aime pas tout simplement. Et ça je l'ai donné à Massalian pour qu'il ait l'impression d'avoir quelque chose, parce que c'est rien, ça vaut rien en termes de renseignement, mais c'est surtout pour l'énerver, pour lui donner envie d'attaquer. Et je lui ai donné aussi bah, des infos pendant les batailles ou pendant les events. Par exemple, event de commerce, je lui disais les Kater ils sont actuellement à Céline, à Tramelmayer. Nous, on tenait la position à Porolissar et puis les Kater ils se faisaient défoncer la gueule par l'équipe, la garde consulaire de Massalian. Donc ouais, je donnais des infos pendant les batailles, mais c'est pas des infos qui, sur le long terme, vont faire quoi que ce soit. Ça a permis à la Fagal de faire leur vidéo des sardines. Et, ouais. À plus. Alors clairement, c'est vrai qu'on parle beaucoup de... un peu de choses hors game hein, pour l'instant, c'est plus de la méta, tout ça, etc. Mais il y a eu quand même des batailles in game. Je voulais savoir qui avait gagné ces batailles. Est-ce qu'il y a eu un avantage Fagal, un avantage Sard? Est-ce qu'il y a eu des alliances qui se sont formées en même temps ou pas? Ça dépend si tu comptes les 890 jumps en fait. C'est-à-dire bah, le déclencheur, il y a eu quand même un gros déclencheur sur ce bordel, c'est que. On a fait péter l'event de la Fagal, ouais. Qui était un événement majeur où même Carniarok, enfin Massalian, avait mis un message, attention, faut que ça se passe bien. Event ouais. Vitrine, on invite des corpos. On y est allé, on a tout saccagé, on les a fait chier pendant 2-3 heures. On les empêchait de monter dans les ships, on essayait de s'infiltrer dans les ships en forçant comme des dingues. Ils ont été obligés d'aller spawn au bout du monde, on leur a fait péter leurs ships. Et au moment où ils ont démarré, on a refait péter les ships, quoi. Ok, vous avez... et c'est ce qui a déclenché un peu la guerre Fagal-Sardine en fait. Ok. Parce que du coup, ça a été pseudo-commandité par Breton. Alors voilà, comment toi, Rafi, c'est vrai que Rashquit nous envoie sur la bonne direction. Comment toi, Rafi, je crois que tu as fait semblant, tu as fait croire à Massalian que. L'explosion de son event était préméditée par Breton et avait payé Rashquit, commandité par Breton et, avait payé Rashquit, c'est ça hein. Ouais, mais à la fin, c'est peut-être une idée que j'aurais pu avoir, mais à la base, c'est la faute de Breton. Hein. Breton, en fait, l'OM7 était chaud, il voulait tout le temps attaquer la Sard et tout, je leur disais non les gars, l'infi sur la Sard, elle sert pas à faire sauter l'OM7, donc va falloir trouver autre chose. Et puis... il y avait ce fameux event de tournoi de boxe, l'OM7 voulait l'attaquer, et Breton voulait l'attaquer aussi. Enfin, c'est peut-être moi qui lui avais suggéré l'idée, hein. Ça je me souviens ouais. plus trop, je crois que oui. Et Breton ouais, voulait attaquer, puis au dernier moment je lui ai dit « ouais, il y aura peut-être d'autres orgas dedans, niveau diplo, c'est peut-être pas terrible ». Et Breton a dit un truc qui m'a fait tilter, il a dit « de toute façon, l'Ordre Noir ou l'OM7 ça va, et les E30K, ça va sûrement faire péter cet event ». Donc et là, je me suis dit, ouais, mais pourquoi pas? Et puis, je me suis dit, cette phrase qu'il vient de dire, c'est peut-être comme s'il avait lui-même commandité le truc, tu vois. Ok, d'accord. Et c'est parti de là. On... Ok. Et à ce moment-là, Massalian tombe dans le panneau et croit vraiment que c'est Breton qui a ouais. commandité toute cette histoire. Alors, il tombe pas dans le panneau n'importe comment. Et il tombe dans le panneau parce que je crée un faux compte Breton que j'écris dans le Discord au M7 des phrases de Breton en train de dire merci les pirates, machin, on va vous payer, nanana. Et, je screen, j'envoie à Massalian en tant que ouais. Rafi, espion Fagal, qui a encore un peu un accès à l'OM7, mais dégradé parce que comme c'est un Sard maintenant, il est plus trop pirate, donc les pirates ils m'ont viré les droits. Mais j'ai vu passer ce texte de Breton, je le screen, je l'envoie à Massalian, je dis regarde ce qui se passe chez les pirates, et il gobe. Rashquit en rajoute une couche par derrière, il va vous expliquer, c'est. Ok, d'accord. Juste, je lis un message de Frappam qui nous dit est-ce que l'on peut dire que tant que le jeu n'est pas release, ce que l'on entend jusqu'à présent ne sont pas juste des non-événements et qu'il n'y a pas de quoi se faire mal au cerveau. Qu'est-ce que vous pensez à ça, les gars? Je pense qu'on s'amuse, les gens ouais. comprennent pas. Moi, je m'éclate. Est-ce que pour vous, ou les types de joueurs comme vous, ce n'est que le début? Ouais. Ouais, mais on d'accord. s'amuse déjà. Ouais, okay. En fait, comme il n'y a pas de feature, on crée du gameplay à peu près partout où on peut, en fait. D'accord. Parce qu'ils sont marrants, ces gens, à dire il n'y a pas de jeu, du coup, il faut rien faire. Bah, cassez-vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cassez-vous. Putain, jouer au Pokémon, quoi. Nous, on s'amuse, putain. De ouf. Moi, je suis là depuis juin, il n'y a pas une seule seconde, il n'y a pas un jour où j'ai pas joué à SC, il n'y a pas un seul jour où je me suis pas amusé, les gars. Donc, vous n'êtes pas contents. Installez-vous dans le flat, de toute façon.
Vous n'êtes pas content, vous venez sur le CTS, vous téléchargez une appli 3D et vous passez en sandwich, en tacos, en tout ce que vous voulez. Voilà. Agency qui nous dit, comment vous envisagez votre avenir? Le vôtre à titre individuel et celui de l'OM7. Rashquit, je te laisse la parole. Ça, c'est une sacrée question. Attends, le sandwich qui siffle, moi je veux revoir. J'étais pas prêt là. Ouais. Bah, lâche-toi. Bon, bah, à titre individuel, d'une manière très simple, écoute, je vais dire ce qu'un sage a dit un jour, c'est on va prendre le jeu tel qu'il est aujourd'hui, on va jouer tel que c'est aujourd'hui, on va faire ce qui nous est permis. L'OM7, je sais pas, faut que ça roule, faut que ça continue comme ça, on s'éclate, on se régale, on prend en puissance, et franchement, c'est le rêve absolu, on verra bien. Okay. Écoute, franchement, je sais pas quoi te répondre. Tant qu'on prend du plaisir et qu'on continue à augmenter les doses chaque jour, bah moi ça me va. Et après, il y a ça aussi, c'est que il y a pas vraiment de chef à l'OM7. Scrat et Rafi ont monté ça, c'est vraiment le projet de Scrat au départ. Mais chacun a voix au chapitre, chacun fait comme il le sent et voilà. Donc je peux pas communiquer vraiment au nom de l'OM7 parce qu'en fait chacun pense comme il veut à l'OM7. Ok. Alors avant de te demander à toi Rafi, je vois Frappoem qui nous dit non je ne comprends pas les dramas qui prennent une ampleur pareille. Mais en fait il n'y a pas de drama, c'est une guerre entre deux orgas. C'est le jeu en fait. Ouais on joue. Là il n'y a vraiment aucun drama, enfin je pense. Hein. Après moi je vois pas ça comme du drama. C'est vous comme qui considérez ça comme du drama, tout se passe bien, tout le monde kiffe. Moi c'est okay. Plus la phrase de Willy qui me fait tiquer, qui dit qu'on leur impose notre gameplay. Bah... Quand tu joues à un jeu, tu dis pas aux gens non, vous approchez à un MMO. Hein. Quand tu joues à un MMO RPG, un monde ouvert, tu dis pas aux gens non, viens pas jouer avec moi, t'approches pas de ma zone, viens pas me taper, viens pas jouer. Enfin, non, ça se passe pas comme ça, Willy. Hein. Les MMO RPG, PVP, tu essayes de faire ton gameplay dans ton coin, mais s'il y a quelqu'un qui a envie de venir jouer avec toi, tu peux pas le repousser. Alors... Ou alors, faut aller te cacher en zone safe et puis jouer avec accueillir des pommes. Je vois General Ball qui nous dit pas sûr que Karna kiffe vraiment. Alors il faut savoir que Karna est venu te voir, nous, même on était en coulisses je crois, si j'ai pas de bêtises, je sais plus trop. Il est venu pour dire GG au final. GG dans le sens où t'as créé une guerre, t'as peut-être fait tomber la fagale, on verra dans les prochains jours, s'il y a une réaction aussi de leur part. Mais il a été fair play comme me dit la régie, il a dit GG, je m'attendais pas du tout à ça, c'est le jeu en fait. Ah, j'ai gagné mon pari d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que même moi j'étais sur le cul, il en a pris plein sa tronche et franchement, fair play. Franchement, fair play. Il a été beau joueur. Ouais. Il a été beau joueur. Il est resté digne de ouf dans la défaite. Pour lui et comme pour moi, je pense, je considère qu'il a simplement joué au jeu à sa façon. Ça surprend, ça choque, ça dérange. Mais il a joué au jeu à sa façon et les gens l'accablent un peu trop. Il a joué le jeu du mensonge, il a joué le jeu de l'intimidation, ça c'est quelque chose que j'aime pas trop, mais voilà, c'est ses armes à lui. Il a joué à ce jeu-là, j'ai joué avec lui, il a perdu. Et il est parti dans la dignité en disant bravo. Franchement, pour ça, respect quand même. J'ai une question importante, je voulais savoir pourquoi finalement avoir ciblé la Fagal, Massalian même, via la Sarde. Et même sans via la Sarde. Je veux dire, pourquoi Massalian? Est-ce que c'est quelqu'un que tu n'appréciais pas? Est-ce que ça peut arriver à d'autres orgas? Est-ce que c'était le hasard? Pourquoi Massalian en fait? Pourquoi la Fagal? Ouais, comme je t'ai expliqué au début, les occasions ont fait que voilà, que ça s'est fait, clairement. Moi, si on m'avait dit dois attaquer ce mec-là, je sais pas si j'aurais fait. C'est juste que les occasions se sont présentées, que c'était... dans notre intérêt, parce que notre intérêt c'est avant tout de servir le griffing français, hein, on l'appelle. Non, c'est l'opportunisme. Voilà, notre on est des pirates et là on est sur des orgas qui sont qu'on considère comme des ennemis et ça a marché au final. Hein. Ok. Jean-Luc qui me dit Jake, j'ai pour la question, merci, ça fait plaisir si vous avez apprécié le live de ce soir. Mais c'est pas que moi qui fais le live, les gars. Il y a la régie, il y a un sandwich, il y a Rafi, Sophie Pain de Mie. Chat du Calou qui nous dit merci de nous offrir du contenu en ces moments difficiles. Beaucoup veulent nous imposer un gameplay PVE safe dans un monde de bisounours. Et c'est vraiment décourageant quand tu es investi dans le projet et que tu veux du PVP hardcore. C'est vrai que finalement, Star Citizen offre plusieurs gameplays.
C'est un open world PVP, PVE, il y a de tout. Faut accepter tous les gameplays finalement, les gars, parce que j'imagine que souvent on vous reproche que vous êtes les grands méchants, mais ça fait partie du jeu. Tous les gameplays sont honorables en fait. On va pas cracher sur un tel un tel. C'est vrai qu'on va dire les cueilleurs de pommes, c'est pour taunt en fait, c'est pour les mecs qui n'acceptent pas notre gameplay. Mais si le mec a envie de miner, si le mec a envie de faire des courses sur une planète où on en a rien à foutre, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, si on arrive et qu'on débarque et qu'on crame tout, ça fait partie du jeu. Sinon, il y aurait pas d'armes sur les vaisseaux. Ça leur empêche pas d'utiliser les mêmes méthodes, de venir nous jump dessus, de nous casser la gueule. On gagne, on perd, ça dépend des jours. Ok, d'accord. Alors les gars, la régie, moi je vais faire une toute petite pause. Alors voilà. Ouais, les gars, je vais faire une petite pause. Est-ce que je peux annoncer ce qui arrive la régie ou pas? Non, j'annonce rien les gars. Est-ce que tu veux passer une petite pub ou quoi? Parce que là c'est urgent mec, je suis désolé. Les gars, ne quittez Vas-y, pas. Pire, on se débrouille hein. Ouais. Alors... Je reviens dans 2 minutes les gars, je voulais Rafi si tu veux préciser, les gars ne partez pas, je vais me pisser dessus, ouais c'est chaud, Rafi si tu veux préciser un peu la vidéo, si tu veux parler de la vidéo que vous avez fait de 22 minutes je crois, moi les gars je reviens. Ouais ça marche, la vidéo à la base c'était pas le projet absolument de faire une vidéo mais... Il fallait trouver une fin à tout ça, il fallait mettre un terme à cette relation avec Massalian d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai pas spy Massalian pendant 3 mois juste pour dire j'ai spy Massalian. À un moment donné, il fallait que la vérité éclate. Si j'avais rien trouvé en l'espionnant, si j'avais trouvé un mec juste sympa qui veut faire son gameplay, machin, j'aurais peut-être rien fait. Mais je me suis retrouvé face à un personnage assez énigmatique, assez surprenant, avec des méthodes un peu douteuses, comme j'ai dit tout à l'heure, le mensonge, l'intimidation. Moi, j'ai voulu montrer un peu comme un journaliste et aussi faire profiter les copains, que ce soit des batailles, que ce soit des escroqueries, parce que ouais, il faudra en parler, mais on les a quand même escroqués, hein, les Fagal, on a soutiré un peu de thunes. Hein. Et voilà, c'est le but de la vidéo, c'était tout ça, c'était... C'était mettre un terme à cette aventure parce que ouais Sandwich, je sais pas comment ça se passait côté OM7, mais moi j'étais plus trop présent, hein, j'avais plus trop le temps de ramener ma fraise sur Discord. C'était un petit peu ça, surtout qu'au départ en fait nous on n'était même pas au courant que tu bossais entre guillemets pour Karna. Ouais. Personnellement, ça aurait pas été forcément le truc qui m'aurait plu. Sachant que bon bah j'avais quitté la Fagal, on s'est barré, je me suis barré du bloc aussi par rapport à ces histoires où Siro copinait avec la Fagal et puis là la Fagal putain c'était plus possible quoi. Mais en même temps ça a été une bonne chose, ça nous a ramené pas mal de fun. Je pense que tout le monde l'a compris, tout le monde a joué le jeu. On a même réussi à embringuer des potes là-dedans qui avaient rien à voir. Moi j'ai un ami qui a General Ball pour pas le citer. Qui joue même plus au jeu, qui avait été Fagal un petit peu, et qui nous a aidé à monter un bateau en faisant de la désinformation sur un de nos Discord privés, où les mecs de la Fagal se sont empressés d'aller croquer l'info pour la remonter à Massalian. Ça nous a servi à faire monter l'histoire à bloc, à crédibiliser l'histoire. Ouais, c'est vrai qu'on ne voyait moins, mais en même temps, bon, c'était pour une bonne cause, on s'est bien marré. Bon, c'est le moment où Rafi doit nous chanter sa petite chanson. Laquelle? Je sais pas, celle pour gagner du temps. Tu veux que je chante La Reine des Neiges en japonais? Merde. Je sais pas si on nous entend nous. C'est probable. Si on va m'entendre là. Les gars, le son, il y a le son. Rafi, il s'appelle comment ton chien? Faut meubler. Je sais pas si on m'entend sur le direct. Et nous on nous entend. C'est bon, apparemment, c'est ok. Ok. Mon chien, mon chien il s'appelle Joe Gillian.
Alors, la régie, il va falloir que tu me mettes au courant de ce qui se passe. Alors, vas-y, j'écoute la régie. Ouais. Tu m'aimes pas mieux, tu m'entends depuis. Ouais, ouais, je t'entends trop. Ouais. Vas-y, j'écoute la régie. Là, j'entends nous, par contre, la régie. On t'entend même sur le direct. C'est moi qui tape des barres sur le direct. Vas-y, la régie, je t'écoute. Ok. Je peux l'annoncer là comme ça ? Ah, les gens ont entendu la régie là, ils sont comme des. Je peux l'annoncer comme ça là ? En visu ou en vocal ? Mesdames et messieurs, grosse annonce ce soir. Ne quittez pas, restez ici. Massalian arrive en vocal dans quelques secondes. Il est là, il est avec nous, il est présent. Il va répondre à vos questions. Il va avoir son droit de réponse, son avis sur la situation. Ses ressentis, etc. Massalian est en direct, mesdames et messieurs. La régie, tu le switches, tu me dis. Attention, yes. Attention. Énorme. Là, c'est le croustillant, les gars. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Massalian, bienvenue. Sam, télécharge d'images de chien. Attention. Salut, Massalian. Non, la régie, tu peux kick sur intérêt, s'il te plaît. La régie, s'il te plaît. Mec, arrêtez, sérieux, restez cool. C'est un joueur comme un autre, les gars. Voilà, on va rester cool. Massalian, tu m'entends? Salut, oui, je t'entends nickel, Jake. Allez, parfait. Bah, bienvenue à toi, Massa. Bah, merci. Salut à tout le monde. Salut, Rashkit. Salut, Rafi. Salut, Karnia. Salut. Alors, mec. Pourquoi tu viens sur le CTS ce soir ? Tu as vu l'émission en entier ou pas ? Ah, bah oui, non, j'étais là depuis le début. Bon, je suis arrivé au dernier moment, comme j'ai annoncé, j'étais de service, tout simplement. Ok. J'étais censé simplement préparer une émission qui débutera lundi. Et j'ai pu être présent au dernier moment ce soir. J'en avais parlé avec la régie il y a 2 jours. Ouais. Donc voilà, donc je peux être présent parmi vous. Alors, est-ce que tu as entendu des choses fausses, mal interprétées ? Est-ce que tu as pris des notes ? Alors, tu veux rebondir sur certains points ? Alors, non, il n'y a pas eu beaucoup de choses fausses, mis à part de la part du camarade, enfin pardon, je dis plus camarade, du compagnon Silmerias. Ouais. Silmerias qui dit ouais, non, moi je me méfie de Massa, patati patata, parce que le mec il est bizarre. Non, mais mec, il envoie des moucherons qui reniflent la merde, ou un moucheron avec le tag fagal dessus, en paraphrasant, mais en méthadone, qu'il s'agit de Massalian. Non, mais mec, sérieux. Et puis je me rappelle lors de la première vidéo où la frog a été invitée au CTS. Tu peux cliquer le mec, la régie, s'il te plaît ? Ouais, excusez-moi, mec, Azure Intérêt, sérieux, va ailleurs, s'il te plaît. Enfin, ouais, tu fais pitié, bon. Envoyez-lui de la CTS skin, kick-le s'il te plaît, voilà. Pardon Massalian, excuse-moi, mais... C'est pas grave, et le camarade, enfin je rappelle hein, que Silmerias, à son premier CTS, a affirmé devant tout le monde, mais nous, on n'hésitera pas à faire de l'injection SQL, patati patata. Je suis persuadé que c'est tout comme moi, hein, c'est du bluff, c'est du bullshit, je suis persuadé qu'il ne le fera pas, et s'il le fait, ben c'est con pour lui, mais après il fait ce qu'il veut. Donc non, j'ai jamais traqué la moindre IP, j'ai jamais craqué la moindre webcam. C'est du bluff, c'est du bullshit. Après, bon, c'était un peu gros. J'ai peut-être pris un peu trop pour un nier Rafi qui ne l'était pas au final. Il n'a pas marché dans mon jeu. Et il a été très malin. Ça a été quelqu'un de très malin. Il a bien joué. Il a su correctement et bien me manipuler et il a pu faire son jeu. Et c'est très bien. Il affirme lui-même, c'est son jeu, c'est leur jeu et c'est vraiment bien joué. C'est des mecs qui assument leur gameplay et qui le maîtrisent parfaitement. Et c'est pour ça, chapeau bas. Et je me rappelle, Rafi, il m'appelle dans la soirée, est-ce que je suis resté ici de 21h jusqu'à 23h30, où j'étais face à la plèbe, le seul qui a parlé, c'était Rashkit, et Rafi, les autres, ils faisaient des bruits parfois un peu bizarres pour se manifester, mais aucun n'était capable de tenir un propos face à moi. Les seuls, c'était Rashkit et Rafi, qui sont ici présents. Alors, Massalian, je te coupe, mais oui. Tu as dit plusieurs choses intéressantes. Monte Cristo aussi qui nous dit, voilà, c'est un personnage, peut-être que tu joues un personnage, ça tu vas nous le dire, mais est-ce que tu peux affirmer ce soir que tes histoires d'IP, de serveur, etc., c'est vraiment du bullshit, comme tu dis ? Alors oui, c'est totalement du bullshit. La seule chose qui était vraie, sans être vraiment abouti, c'était la base de données. Alors, d'accord. Elle était vraie dans le sens, elle existait, c'était bien SharePoint, il existe d'ailleurs. Bon, là, j'ai fermé les accès, mais il y avait mais bien tu SharePoint. Ça, tu nous l'avais voilà. Montré en direct dans le dernier. Voilà, il y avait vraiment voilà, un SharePoint, on a un serveur qui recoupe les infos.
Non, oui, les Fagals avaient des petits oiseaux, oui, comme utilisent les pirates. N'étant plus membre des Fagals, même si je connais l'identité de ces petits oiseaux, bah, je vais la garder pour moi. Et ces mecs-là se retrouveront pas ennuyés, puis bah, je les invite à s'extraire des organes dans lesquels je les ai envoyés, ouais, et sinon ouais. Bah, à continuer s'ils le souhaitent. Pour ce qui est de la Fagal, je l'avais annoncé à Rafi d'ailleurs, j'ai dit, écoutez, la façon la plus digne et la plus honorable pour moi de ne pas salir l'organisation, ça va être de démissionner. Je lui ai dit que je vais démissionner. Le lendemain matin, dès que j'ai pu parler à Virtual Axe, et dans la foulée à 7h, hein, j'étais au travail, c'était 8h30, j'ai dit, écoutez, ouais. Je vais démissionner tout simplement. La façon la plus digne pour moi que ce scandale n'éclabousse pas l'organisation, eh bien, c'était tout simplement de démissionner de mon rôle. Je rappelle que Sedger est leader de l'organisation avant tout. Ouais, on m'a toujours placé en tant que chef de l'orgas, ce qui n'est pas le cas. Bien sûr. Donc, j'ai quitté l'organisation. Malheureusement, il y a eu une méprise qui a finalement incité une partie des membres à quitter l'organisation, plus Jiminy qui s'en a empressé pour accentuer le drama, faisant croire que j'allais revenir dans les Fagals, mais non, à partir du moment où je posais ma démission, j'ai démissionné, oui, parce c'est que... fini. Alors, je rebondis là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a vu un décret, je ne sais pas si la régie peut le passer en direct, mais sinon c'est pas grave, tout le monde a dû le voir, mais on a vu un décret comme quoi on voyait dedans que tu étais démis de tes fonctions pendant 3 mois, et c'est ça qui aurait fait peut-être un peu faire monter la tension. Les ex-membres. Ça, c'est ce qu'il a dit. Écoute, moi, j'ai parlé. Moi, ce soir, enfin, hier, j'ai eu un appel d'une personne de la nouvelle organisation qui s'est formée, qui m'a parlé de ce papier. Moi, j'ai dit, écoute, non, moi, je suis même pas au courant de votre. Tu n'étais pas au courant de ce décret. Je n'étais pas au courant, et de toute manière, j'en avais déjà discuté en amont. S'il faut, moi, je publie ma conversation. Qu'on s'appelle WhatsApp, que j'ai eu avec Sedger. Ouais. En prenant le soin d'enlever les numéros, il vous dirait que je dis clairement, je démissionne et je ne reviendrai pas, c'est fini. Voilà. Alors, il y a eu une incohérence, il y a eu une maladresse, mais jamais c'était un départ déguisé avec un retour prévu. Non, il n'y a pas de retour prévu. C'est comme ça, alors, j'ai décidé de démissionner et de partir définitivement. On va voir le décret en plein direct. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Qui l'a rédigé ce décret? Ouais, c'est ça. Ah, la régie, on n'entend plus le son, la régie, on a plus le son, on n'entend que Jake, on me dit. La régie, le son, bisous. C'est une série Netflix, les gars, je suis d'accord. Norcan qui est là, qui est présent à HTTPS, on n'oublie pas, on est sûr, on est les gars sûrs. Ouais, donc du coup, Massalan, tu disais que tu n'étais pas au courant de ce décret qui annonce très clairement que tu es démis de tes fonctions et que tu es un peu, voilà, ban, on va dire ban comme ça, de 3 mois, qui voulait dire éventuellement que tu pouvais revenir dans l'orga, en fait, c'est ça? Oui, alors techniquement, une mise à pied, ça... En fait, ce document déjà est une aberration dans le sens où quand on fait une mise à pied, on ne vire pas la personne. Je veux dire, la personne, en gros, est écartée, on lui fait des vacances forcées, et puis après, elle revient. Sauf que dans le cas présent, j'ai démissionné. On ne fait pas une mise à pied à quelqu'un qui a démissionné. Donc, pense que c'est une maladresse et une incompréhension générale. Et qui a abouti à un drama qui a fait splitter une bonne partie des membres Fagals. Mais concrètement, je ne revenais pas, mais jamais. C'est terminé. Dans le chat, on nous dit Gremlins qui nous dit décision de Sedger à l'encontre des avis des autres membres de la Fagal. Donc ça serait Sedger qui aurait pris cette décision de te mettre à pied pendant 3 mois. Et finalement, tous les membres de Army actuellement l'auraient mal pris, en fait. Ah ben, probablement. C'est encore une fois, moi j'avais quitté le Discord à ce moment-là, j'ai clear tout, hein, j'ai clear mes listes d'amis, j'ai clear mes Discord, j'ai clear tous mes amis sur Discord, j'ai absolument tout clear, donc je repars, je vais pas dire à neuf, mais en tout cas à vide.
Je voulais te poser la question, pour quelle raison précise finalement tes gars, enfin c'est pas tes gars parce que tu dis que tu n'es pas le fondateur, tu n'es pas le boss, mais pour quelle raison tous ces membres sont partis? Alors ça je pourrais pas te dire. Est-ce qu'ils ont eu l'impression que Sedgar leur a menti? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils n'étaient pas en accord avec la politique de l'organisation? Est-ce que ils ne voulaient pas que je revienne? C'était une façon pour eux de montrer leur mécontentement. Dans tous les cas, et je le répète, je n'avais pas connaissance de ces mouvements. Ouais, en plus de ça, j'étais au travail à ce moment-là. Donc je pense que c'était okay. un mauvais placement de la part de Sedger. C'est pas grave. Enfin, si. Enfin, il y a eu malheureusement des départs. Après, c'est une erreur. Cardin, si je peux me couper juste une seconde. Je pense qu'il y a aussi une volonté de se détacher de l'image de la Fagal et de l'image, enfin de ce que tu as transmis aussi. Il y a ce truc-là. Je pense que les gars se sont dit là, bon, ça fait deux dramas en peu de temps, c'est le bordel. La Fagal se fait cracher à la gueule partout. Et il y a beaucoup de trucs qui vont pas aussi, peut-être sur la méthode de recrutement, ce genre de choses. Et ça leur a peut-être permis aussi de prendre un fresh start et de sortir du traquenard, quoi. Non, mais tout à fait. Probablement que il était plus intéressant pour eux, justement, de se détacher de l'organisation pour ne pas se traîner les casseroles du passé. Après, comme certains le disent dans le chat, cela est dû à la figure directrice de celle-ci, étant représentée par moi. Probablement. Après, au vu de mon départ, il devait y avoir du changement techniquement, et donc l'organisation devait changer radicalement de direction. Et je pense que sur cette base-là, l'organisation va changer radicalement de direction, parce que l'organisation, malgré le départ, elle est toujours présente. Je connais les actuels décisionnaires de l'organisation, et ils ont parfaitement les compétences pour justement la faire évoluer, la faire progresser avec un management et une direction totalement différente qui, je l'espère, la permettra de nouveau de rayonner. Alors, je me permets de vous couper, les gars. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Notre chat question ne fonctionne pas ce soir. Je sais qu'Adjency avait posé des questions par rapport à Silmeria, c'est tout. N'hésite pas à les reposer, s'il te plaît, et les autres aussi. J'ai Pacha. Alors, Massalène, tu me dis, tu vas repartir de zéro, etc. J'ai Pacha qui nous dit, sur la base qu'un menteur ne ment pas qu'une fois, comment peux-tu nous assurer que tout ce que tu nous dis en ce moment, fresh restart, mea culpa, tout ça, n'est pas du mensonge, alors que tu avoues avoir menti pendant plusieurs mois ou plus? Ah ben moi, ce que je peux même avouer, c'est qu'en fait, on est tous des menteurs. En moyenne, le français ment deux fois par jour. Voilà. Donc on est déjà, de facto, on est tous des menteurs. Il est très ensuite, bon, il est très bon. Ensuite, j'étais chef d'orga. L'intérêt pour moi était mon organisation. Et ce qu'on parle, Rashkid parlait de ça, moi j'ai parlé d'un politicien très connu qui a dit « Les seules personnes qui ont autorité au mensonge sont les chefs d'État. » À ce moment-là, j'étais en position de chef, donc j'agissais pour l'intérêt de mon organisation et pas mon intérêt personnel. Ma démission était uniquement dans le cadre de l'intérêt de l'organisation et l'intérêt des joueurs. J'étais toujours le premier à dire l'important dans le groupe, ce n'est pas les individualités, c'est le groupe. Et d'accord, je leur ai montré l'exemple, parce qu'on a fait une réunion le soir même, je leur ai donné l'exemple et je leur ai dit « Écoutez, j'ai merdé les gars, c'est ma faute, j'assume mes responsabilités, je quitte l'organisation. » Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai quitté l'organisation, les Discord, les groupes WhatsApp, j'ai tout quitté. Je leur ai dit, je quittais proprement, hein, je n'arrachais aucun fil, hein, donc ils ont accès aux données du serveur à tout moment pour récupérer les données de l'organisation, parce que j'estime qu'elles sont propriétaires à l'organisation. Je transférerai le FQDN de fagal.fr à Sedger ou à l'association, il n'y a rien qui est pris. L'association, c'est pareil, de facto, étant donné que j'ai quitté l'organisation, il est spécifié dans l'association que tout membre qui décide de quitter l'organisation n'est plus membre de l'association, donc je ne suis plus co-dirigeant de l'association Fagal, okay. Je suis vraiment détaché de tout ça.
Ok, Massa. Agency, repose ta question, on va la lire. On va la lire avant qu'on y réponde. Question, est-ce que ton départ protège autrement? On va y arriver, les gars. Juste, Massa, essaye de faire un tout petit peu plus court. Elle est de qui cette citation? Alors, question, Agency. Massalian affirme que Silmerias a affirmé qu'il n'hésiterait pas à réaliser des injections SQL. Deux questions. C'est quoi une injection SQL? Est-ce qu'il y a une preuve de cette affirmation de la part de Silmerias, Massalian? Alors, pour la preuve, il suffit. SQL Alors, pour la preuve, pour l'injection SQL, oula, tu me demandes de faire un cours. Ouais. Je vais répondre à la deuxième, c'est plus simple. Mais il suffit de regarder le CTS, le tout premier CTS où il y a la frog, tout simplement. Okay. Voilà, je vous renvoie vers ce CTS et vous voyez Silmerias qui l'affirme. C'est de là que je le sors. Donc, Et pour les injections SQL, en gros, tu injectes des commandes sur une base de données et. Comment expliquer bêtement et simplement? Ça permet de faire passer des instructions dans des champs de données, en fait. Voilà, oh. C'est ça, grosso modo. Non, mais là, vous êtes bête parce que dans le chat, et toi, Rajquid, vous répondez. L'idée, c'était de voir si Massalian savait de quoi il parlait. Parce que tu fais des accusations, il faut maîtriser ton sujet, sinon c'est bidon. Donc, voilà, bref. Ouais, j'ai compris. C'est là qu'on voit le spy. Non, mais je vois Warren qui envoie des trucs un peu légales, etc. Mais ça n'a plus sens dans le sens où Massalian a affirmé que c'était du bullshit, qu'il n'y avait pas d'espionnage IRL, etc., d'IP, de caméra, etc. Donc voilà, s'il l'affirme, on va pas aller sur un plan légal, les gars, c'est un jeu, on va rester tranquille. Il affirme que c'est faux. Après, vous le croyez pas, mais on va pas aller aussi loin, les gars. Ça reste un jeu vidéo, sachez-le. Et il y avait une question, après je pose la question de Narjit. Agency qui nous dit, en gros, c'est Sidger qui a souhaité que Massalian reste au sein de la Fagal, pour quelle raison? Massa? Mais j'ai pas entendu, pardon, excuse-moi. En gros, c'est Sidger qui a souhaité que Massalian reste au sein de la Fagal. Écoute, je pense pas que ce soit une volonté propre de Sidger. Je pense qu'il y a eu mégarde à ce niveau-là. Je pense que c'est un ajout qui a été fait dans le feu de l'action, je sais pas. Parce qu'il m'en avait parlé au moment où je remettais ma démission. Donc je pense que ça a été surtout fait dans la précipitation et qu'il n'a pas fait de bonne relecture et que paf, coup parti, les mecs, ils cherchent pas à comprendre. Alors, il y a Cripso qui me dit, donc tu crois simplement que ce qui est dit, et c'est ce que dit Massalian, c'est tout, un peu plus demandant dans l'interview, voyons. Alors, les gars, vous êtes tous les premiers à dire pas d'IRL, etc. Après, nous, on n'est pas juges, les gars, moi, c'est pas mon métier. En tout cas, Massalian, est-ce que tu savais, toi, qu'il y avait peut-être des répercussions au niveau de la loi, en fait, par rapport au bullshit que tu disais? Des répercussions au niveau de la loi. En fait, les répercussions, à partir du moment où justement il y a une intention de nuire propre, sauf qu'il n'y a pas l'intention. La loi, c'est simple. Il faut avoir l'intention de faire la chose et faire la chose. À partir du moment où il manque un des deux, sauf si vous représentez une entreprise, ce n'est pas valable. Dans la loi, c'est très simple. C'est avoir l'intention de le faire et le faire. Ouais, sauf qu'il n'y a jamais eu l'intention de le faire et de le faire. Uniquement, tu vois, je veux dire... Quand tu dis à quelqu'un, je vais niquer tes morts, parce que ça, c'est une phrase, je suis désolé, hein, dans les cités, excusez-moi le Twitch, hein, j'espère que vous n'allez pas vous faire démonétiser à cause de ça, mais je dis dans les cités, mais non, mais n'importe où, vous pouvez entendre cette phrase sortir de la bouche de n'importe qui est un peu en état d'ébriété ou énervé, ça ne veut pas dire qu'il veut vous tuer, hein, ouais, c'est juste qu'il est très énervé, et il montre qu'il est très énervé. Encore une fois, je rappelle, tout ce que j'ai pu raconter à Rafi, c'était du full bullshit, et il a perçu directement. Et pareil, ce qui a pu être dit ailleurs, ça a été notamment concernant le chien. Moi, j'ai trouvé ça génial. Hein. J'avais mon chien sur mon portal. Je trouve ça trop drôle. Et j'ai dit, attends, je vais l'envoyer. Je vais leur sortir une connerie. Je vais dire, oui, comme quoi, en fait, vous cliquez dessus. Ça vous permet de le télécharger chez moi et ça récupère l'IP. Sauf qu'en fait, les gars, en fait, non, c'est Discord qui télécharge l'image et vous téléchargez l'image depuis Discord, donc en fait, quand vous cliquez dessus, vous avez le lien du serveur de téléchargement Discord. Donc en fait, je peux pas, à moins d'avoir hacké le serveur Discord, qui, si vous êtes en zone euro, est en Belgique. Je pense pas, j'ai pas les compétences en tout cas pour hacker les serveurs Discord.
Non, en fait, non, il y a les photos, alors, elles craignent rien. Warren qui nous dit harcèlement verbal, c'est puni, c'est clair, ou go les Gifrance l'ami pour toi que je dis ça. Attends. Pour l'harcèlement verbal, il n'y a pas de souci, hein, mais prouve-le là tout de suite, qui a été harcelé verbalement, en fait. Qui ouais, personne l'a été, enfin, en fait. Je veux dire, c'est pas. Mec, enfin, on n'est pas au tribunal, on est au CTS, c'est un jeu, les gars, détendez-vous, en fait. C'est totalement faux, tu peux mettre un IP logger très facilement sur une image Discord. Hein. Sager savait pertinemment que Massalian avait donné sa démission. Mais quelques heures plus tard, le décret qui en ressort est une réponse de Normand. Massalian n'est plus à son poste et reste dans la Fagal. C'est ça précisément qui est à l'origine du départ des membres de la Fagal. J'aimerais comprendre pourquoi, alors que Sager savait que ça allait se passer comme ça, pourquoi il a pris la décision de ne pas te virer. J'ai été viré là, je ne suis plus dans la Fagal, donc c'est pour ça que je... Là, je suis désolé, Jancy, comment tu peux affirmer que je suis dans les Fagal? Alors, donc là, je comprends pas. Je voulais savoir, toi, Massalian, quel est ton avenir, là, ou ton actualité? Comment tu vas te relever de cette histoire? Alors déjà, je vais partir en mission pendant quelques mois, ouais. Ça c'est le premier point, donc je vais plus être là pendant un petit moment, et ensuite... Pour se relever, écoute, ça reste un jeu vidéo, hein. Je me prends pas de la, oui, pas bien la tête. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, tout simplement, je vais jouer. Tu vois, je veux dire, j'étais à moi personnellement, j'étais à la tête des Fagal avec un ami, Sager. J'ai jamais été pour créer une organisation. C'est pour ça qu'on avait sauté d'organisation en organisation. C'est ce que j'explique dans les précédentes vidéos. Donc, je vais pas faire le bis repetita, mais de manière originelle. J'étais dans la Sibylla, dans la branche pirate. J'ai ensuite dérivé petit à petit vers une branche loyaliste, puis neutre, suite à les influences de Sager. Maintenant que je ne suis plus dans les Fagal, que je n'ai plus cette casquette de chef, eh bien, j'ai la liberté de pouvoir jouer tout simplement à Star Citizen, de jouer sur le PU, de jouer les gameplays qui m'éclatent. Ok. Donc, c'est-à-dire le PVP. Et après, je vais simplement jouer, plus me prendre la tête. Pas de vocation à rempiler avec une orga. Ça m'avait déjà saoulé à l'époque de Eve. Maintenant, parce qu'il y avait Sager, j'ai accepté de rempiler avec les Fagal. Maintenant que l'aventure s'achève, je ne rempilerai pas, parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça. C'est pas plus palpitant que ça pour moi. Donc, je pose mon tablier, en tout cas, de chef d'orga, chose que j'ai faite, hein, et je vais tranquillement, maintenant, évoluer au gré des vents dans l'univers de Star Citizen, mais il y a des chances que ce soit plus vers une branche syndicate, quoi. Question à Zetoya qui nous dit, tu ne dis plus ne plus être dans la Fagal, alors que l'on sait que tu as déjà rename ton compte RSI et que tu es toujours présent dans ces rangs Redacted. Alors regardez, là j'ai entendu ça, donc maintenant messieurs, regardez bien, j'ai fait exprès, hein. J'ai mis et fermez tous bien votre petite bouche, je viens juste de mettre en public mon compte. Voilà, regardez, cliquez dessus, dites-moi. Le chat, la régie. Ouais, voilà, je le remets également. On va essayer d'avoir ça, on va essayer de choper ça. Regardez. Donc là, tous ceux qui ont ouvert leur bouche, allez tous bien... Non, non, reste tranquille. Voilà. Il y a de l'ambiance, putain. Il a notre IP, bravo. Attention à votre IP, moi je clique pas, ne cliquez pas sur le chien. Ouais, non, mais il est resté poli. Donc ça, c'est ton nouveau compte qu'on va voir apparaître, avec le petit chien qui fait plaisir. Cliquez pas, c'est un scam. Ne cliquez pas, il va choper. Ok, les gars. Donc la régie va passer le compte en direct. Massalian, arrête, tu fais peur à mon chat. Ok les gars, vous êtes chauds. Alors attendez, ça va spawn dans quelques secondes. Bon après honnêtement, une allez, juste sur SC, tu la livres, tu la join, je pense qu'il n'y a pas de délai, donc ça prouve pas que t'étais pas dans tel orga il y a une heure, ça prouve pas que dans une demi-heure tu veux la photo. Attends, bouge ça... pas, je te sors la photo de la création de l'orga. Mais les gars. Non, après, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je veux juste demander. C'est ce que tu veux, clairement. Je veux dire, il y a un moment aussi, bon, il reconnaît son truc. Les gars, arrêtez de le défoncer. Je pense qu'il a déjà douillé sévère. Alors. Non, mais les mecs, non, mais attendez. Non, Rajkit, je te remercie, hein, mais écoute,
Là, c'est l'effet de foule. C'est-à-dire, en face, on a des gens insipides qui, pour la plupart, étaient présents hein, quand on était une trentaine et qui ne l'ont pas ouvert. Il n'y a que vous deux, concrètement, qui avez parlé. Il n'y a que vous deux qui avez, qui avez été francs et honnêtes. En face, là, c'est des mecs qui ne sont pas honnêtes. Non, il y a l'OM7 aussi qui l'a ouvert. Hein, non, mais je parle de vous. Hein, je parle de vous. Après, en face, les mecs qui venaient... Moi, j'ai pas la peine de dire le pauvre. Non. Non, j'assume, il n'y a pas de souci, les gars, vous voulez venir parler. Mais venez parler, mais pas de souci. Même à 30, même à 40, il n'y a pas de problème. Masalan, il y a Gripsou qui nous dit « Donc si c'est du bluff, tu reconnais l'intention de mettre la pression en faisant peur IRL aux gens. Il a reconnu lui-même aimer faire pleurer les gens sur le vocal. Il y a des gens fagales qui ont souffert IRL des pressions psychologiques. Qu'est-ce que tu dis à ça ?» Alors, je dis que c'est de la merde, primo. Ouais. Sur l'enregistrement de Rafi, parce que je l'ai écouté plusieurs fois, il n'est pas marqué que j'aime ça, et au contraire, je dis que ça me fait chier. Et j'étais mineur à cette époque-là, accessoirement. D'ailleurs, bon, je ne l'ai pas entendu, mais bon, dans l'enregistrement, parce que forcément, il y a des cuts dans tous les sens, mais ça, bon, après, il a 25 minutes pour faire passer son message. Ça fait 2-3 mois que je parlais avec Rafi, donc il a pu allègrement enregistrer pas mal de choses, et il a encore normalement des trucs sous le pied. C'est juste que voilà, il a pris ce qui était le plus croustillant. Alors, donc on va pas le reprocher. Moi, ce qui serait bien, je pense, après je sais pas les gars, je force en rien, hein, mais je sais pas s'il y a des personnes, des membres de Army ce soir dans le chat, et clairement s'ils ont un porte-parole, dire clairement pour quelles raisons ils ont quitté Fagal, parce que toi Massalian apparemment tu n'as pas l'information, et on voudrait savoir vraiment pour quelles raisons voilà, les membres de Army désormais ont quitté Fagal. Shkiru, on peut faire passer ce que je viens d'envoyer STP. Non, la régie, je sais pas, renvoie-le Shkiru. On parle de la RFR, de leur décret. Je suis ancien Fagal, j'ai quitté lors du précédent drama de juillet 2019 sur le premier record. Qu'en est-il du joueur l'incarnant? Est-ce que tu vas rester Karnarok? Non, il est mort Karnarok. Karnarok est mort, hein, c'est ce que j'ai dit à tout le monde. Il est mort, il est rename. Et il va se rename encore, il va se balader, mais il va, comme j'ai dit, je vais passer probablement dans une branche syndicate, donc revenir aux sources, jouer tranquillou pépouze pour tryhard. En fait, jouer, juste plus passer des dizaines d'heures à papoter, à faire du gameplay Discord, parce qu'en fait, c'était fatigant, c'était chiant. Les gens pensent, tu vois, tout le monde m'appelle en mode bienveillant, mais IRL, hein, ceux qui ont mon numéro, hein, je parle de dizaines de personnes pour me dire, ça va, et mec, si ça va pas, n'hésite pas, t'appelles, on discute. Parce que là, les mecs qui parlent, là, qui ouvrent leur bouche sur le channel, ils ne connaissent pas humainement parlant. Hein, ils voient uniquement ce qui a été montré, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a énormément de choses derrière, il y a énormément de choses à en dire. Et mine de rien, j'avais quand même pas mal de soutien. C'est juste que je leur ai dit, écoutez, c'est moi qui ai merdé. S'il en va de l'honneur et de la communauté, c'est à moi de partir. Et justement, de reconnaître eh bien, que j'ai trouvé plus fort que moi. J'ai trouvé quelqu'un qui a su voir clair dans mon jeu et me casser. Donc, je ne pouvais plus rester à la tête de l'organisation. Voilà, je ne pouvais plus, ça c'était plus à la tête, je ne pouvais plus rester à mon poste dans l'organisation, donc à la tête de la branche militaire. Je suis parti dignement, je n'ai pas hésité à braver la foule, je n'hésiterai pas encore à braver la foule, à part si on me demande de le faire encore 1 heure du mat, là, ouais. Non, les mecs, allez vous coucher un peu et okay. Allez vous faire les dents ailleurs, quoi. La branche militaire, tu diriges plus. Ça veut dire que tu vas diriger éventuellement la logistique ou... Mais Rafi... Pommes, tu vois, prospecteur, Rafi... tout ça. Non, Rafi, c'est fini. Je te l'ai dit que je démissionnais. Ok. Je démissionne. Bah, c'est sûr, vu tout le monceau de bullshit que je t'ai balancé, effectivement, tu peux te poser des questions. Ouais, je suis jamais trop sûr avec toi. Mais bon. Ah. Bah, tu sais. Mais moi non plus, d'ailleurs, avec toi, maintenant, pour le coup... Ouais. Tu vois, non, en tout cas, Massalan, tu as félicité. Alors, Warren, je vois tes messages, ne t'inquiète pas. Mais on va pas accabler en plus. Tout le monde lit ce que tu mets. C'est pas non plus le but d'aller jusque-là, mais je les lis. Qu'est-ce que je voulais dire ? Massalan, tu as été bon joueur finalement. Tu es venu vraiment dire à Rafi bah, GG. GG. On a joué au même jeu. On a joué au même gameplay. Et j'ai perdu finalement. Après, voilà,
on tolère ou on tolère pas l'histoire, mais entre vous, ça a été ça, en fait. Mais bien sûr, c'est pour ça, en fait, c'est un jeu, hein. Pour ça qu'avec Rafi, il jouait au même jeu que moi, sauf qu'il a été plus malin et il m'a devancé, voilà. C'est comme ça qu'il a pu m'avoir. Comme il a dit, son objectif, c'était de s'amuser. Écoute, nous, dans l'objectif, c'était pareil, hein, c'était de s'amuser. Et au final, eh bien, c'est lui qui a gagné. Ok. Alors les gars, je tiens à dire que voilà, le CTS n'a pas à juger qui que ce soit, Rafi, Massabian. Ce soir, vous avez vos réponses. Vous avez les deux sons de cloche, qui sont plus ou moins les mêmes quand même. Question quid des autres officiers de l'état-major Fagal qui ont soutenu Massabian, qui ont cautionné ses agissements. Ils sont tous blanchis. Concernant tous les officiers, c'est très simple. Et ça, si le leader actuel de l'armée peut l'affirmer, hein, le prouver, hein, donc je parle de Virtual Axe, ouais. Qui est un des leaders, hein, parce que j'ai cru comprendre que c'est une espèce de Sénat maintenant, une espèce de démocratie. Est-ce que tu leur en veux d'ailleurs ? Non, je ne peux pas leur en vouloir. Il y a eu une erreur, après, ils ont décidé de partir. Le seul... Qui avait vraiment été une mauvaise personne, un très bien garçon, pour pas que tu te fasses démonétiser, ça a été Jiminy, parce qu'il est, lui, avec sa grande bouche, et surtout, il comprend rien à rien, défoncé H24, et racontant des bêtises H24. Bref, voilà. Ça, c'est le gars, j'ai besoin de le dire, hein, je suis désolé, ça fait 3 ans que j'ai envie de le strike et de le virer, et 3 ans que Sedger me dit non, garde Jiminy, moi, je veux le striker. D'accord. Mais okay. Concernant mes agissements, aucun officier n'est au courant. J'étais le seul. D'accord, le seul, okay. Le seul absolument au courant. J'ai juste présenté une fois Rafi sous un autre pseudo à Virtual Axe pour lui montrer que oui, il y avait bien des mecs à moi qui, entre guillemets, un mec qui n'était pas à moi au final, hein, qui travaillait avec moi. Après, il était au courant d'une autre de mes petits oiseaux, vu que vous aimez bien les appeler comme ça, enfin, je les ai appelés comme ça aussi, qui parlait aussi avec Virtual. Donc, on va dire, il n'y a que Virtu qui était au courant qu'il y en avait, mais j'étais le seul qui pilotait la chose, le seul qui maîtrisait l'engin. D'accord. Il n'y avait personne d'autre qui entrait dans la phase de la gestion, de l'administration, de connaissance des informations. J'étais vraiment tout seul. Et au final, Je me suis fait avoir, quoi. Alors les gars, il se fait un peu tard, je vais vous rendre la parole une dernière fois, je voulais savoir... Attends, il y a des questions, on va arriver sur la fin les gars. Carnéa, qu'as-tu pensé de la prestation de Jiminy lors du vocal où tu as reconnu ta défaite? Attends, j'ai pas entendu, tu te poses la prestation que du Jiminy lors du... moi j'ai trouvé que Jiminy en fait il était à côté de la plaque, et j'ai dit mais pourquoi tu prends ma défense? Je viens ici pour dire que... Je m'arrête, et pourquoi tu viens? Et le gars, il admet qu'au bout de 10 minutes, il a arrêté la vidéo. Je dis, mais putain, mais regarde la vidéo jusqu'au bout, au lieu de venir et de trash talk, alors que t'as pas regardé l'ensemble de la vidéo. Enfin bref. Et ensuite, Jiminy, il faut savoir, c'est quelqu'un d'hyper influençable. Donc, dès qu'il a vu qu'il était dans le tort, il a retourné sa veste. Et là, par contre, il s'est mis à me jeter des sauts de merde. Je dis, mec, attends, alors, t'es sérieux? Alors les gars, bon voilà, ça c'est le point de vue de Massalian. Jiminy n'est pas présent peut-être ce soir. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir aussi son point de vue. On va peut-être arrêter de se focaliser sur Jiminy aussi. Sinon on organise une petite roulette russe là. Non mais allez, voilà, la dernière question de Zéro Tolérance qui nous dit: tu as dit que tu aimais faire pleurer les gens et continuer à les enfoncer. Que comptes-tu faire quand on va te dépop en boucle comme un gladius dans un sèche-linge? T'es un putain d'hypocrite, mon garçon. À t'entendre, c'est la faute des Français et de la fumette de Jiminy, c'était ravagé. C'est un peu piquant. Encore une fois, parce que je sais ce que j'ai raconté à Rafi, j'avais dit que j'aimais faire ça. Donc, encore une fois, Zéro, à part si Rafi t'a tronqué au moment où j'affirmais que j'étais pas fan de ça, mais il fallait faire un exemple. C'est exactement les mots que j'ai employés. Je n'aimais pas faire ça, de faire chialer les gens, et que j'avais fait ça pour faire un exemple. Massalian, tu précises que tu étais jeune et que voilà, tu avais fait des choses pas bien. L'extrait, je pense qu'il est complet. Je pense pas. Alors je vois pas pourquoi Zéro dit ça. Alors, ok, d'accord. Alors, Zéro, je comprends pas pourquoi tu racontes ça. Voilà. Ou alors, peut-être toi, tu as fait une Jiminy, hein, tu as regardé qu'au bout de 10 minutes et tu as écouté ce que les autres ont dit.
Ce qui est possible. Oui, bah, après, tu dis que tu étais jeune, etc. Les gens sont juges de dire est-ce que c'est réellement une excuse recevable ou pas. Voilà. Bon, les gars, là ça va un peu loin. Vous aurez les coulisses peut-être certainement juste après pour continuer à en discuter. Je vais aborder un dernier point et après on va clôturer là-dessus. Rafi, est-ce que tu peux expliquer la fameuse arnaque des 4 millions d'AUEC qui a fait prendre conscience à Massialian qui s'était fait piéger? Bah, je sais pas si Rashquit est pas... Ou Rashquit, bien sûr, pardon, Rashquit. Ouais. Tu te souviens du début de l'histoire ou... Ouais, on va faire la version courte, hein. La version courte, elle est très simple. C'est qu'on a fait croire à Massalian que Breton de la Sarde nous avait payé pour faire péter son event, très important. La seule façon de prouver vraiment ça, c'était de... Bah, d'avoir les screens. Il avait les screens, sauf quand il est retourné voir, quand il les a confrontés à la Sarde, la Sarde a dit c'est des faux, donc il voulait revoir les screens, on les avait plus. D'accord. Parce que bien sûr c'était des faux, forcément. Et du coup il voulait les logs des suppressions, donc on lui a dit ok mec, tu veux les logs, on les vend. Mais voilà, c'est pas gratos. Jusqu'à la dernière minute, on a essayé de gratter du pognon, on s'est dit putain c'est énorme, on a un reg de Rafi où on entend les mecs en train de faire la quête quoi pour essayer de payer les logs. Ouais, je suis même allé sur leur Discord en tant que... Bah, c'était quoi, Volrine, ou je sais plus ce que c'était, Steprom, mon nom sur le Discord Fagal. Et je parle directement avec les Fagal et avec un voice mode, ils savent pas que c'est Rafi. Je leur dis, les gars, pour ma mission d'espion, j'ai vraiment besoin de cet argent. Il faut vous cotiser, il faut donner l'argent. Massalian, il va vous faire la quête et je les booste comme ça pour que les mecs payent. Et ça marche. Ok, d'accord. On sait que aussi l'ONR a mis une prime désormais. Sur certains joueurs, alors ça reste réservé l'ONR. Hein. Voilà, l'ONR a mis une prime sur les anciens Fagal, peut-être actuellement Army. C'est vrai que c'est difficile à s'en sortir là maintenant dans l'actualité. L'ONR a été un support pour vous, les gars, Rafi, Rashquit. Par rapport à cette vidéo et à ces images. Ouais. L'ONR, c'est des partenaires pendant l'infiltration à la Sarde qui a mené à tout ça. On a joué avec eux, on a fait des opérations, dont une montée par Rashquit. Ouais, ça a été un soutien pendant tout le long de cette aventure. Hein. On a fait pas mal de choses. Les E30K aussi ont été complices pour faire croire à Massalian que les pirates s'étaient retournés contre moi. Enfin, retournés. D'accord. Me considéraient comme un traître étant donné que j'étais à la Sarde. Donc, sur les différents chats Discord, on me traitait de traître, on me mettait des images de mecs qui avaient retourné sa veste. Donc, pas mal de gens étaient complices, ouais. Ok, l'ONR paye vraiment, là ? Ah oui, l'ONR paye vraiment. Ouais. D'accord. Je pense bien, ouais. Ok. Ouais. Alors les gars, par contre, quand ils disent quelque chose, ils le font. Ce sont des très bons gars, tout comme les E30K. Et c'est un plaisir de jouer régulièrement avec eux. Ok. Massalian, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, je voulais dire, bah, au moment où j'ai démissionné donc, des Fagal, donc j'ai sorti à peine le palier, faut savoir que Rafi m'attendait avec un fusil sniper et il a tué le pauvre Karnarok Vorson qui est allé au sol, donc il faudrait que l'ONR pense à payer l'un million à Rafi, quoi. Ok, les gars, bon, on va finir là-dessus. Quand est-ce qu'elle vient, Sophie? Jean-Lrag, je crois que t'as pas tout compris l'émission, mais elle est là, Sophie, voilà. Ouais. Les gars, on avait des vidéos, ouais, de Sophie, mais on a pas... Ah, bah, la régie a eu un peu... Voilà, ouais. Elle a pas trop eu le temps, mec, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Elle reviendra, Sophie, peut-être. Elle reviendra peut-être. Les gars, Rashquit, je te remercie d'avoir fait le tacos, le burger vivant, géant, tout ce que tu veux. Galère, c'est 5 balles. Rafi, 6 avec la boisson. Les gars, non, Rafi aussi, je vous remercie d'avoir mis à jour tout double compte, etc., d'avoir expliqué la situation. Massalian, un grand merci aussi à toi d'avoir été aussi fair play, d'être resté calme et d'avoir expliqué très calmement la situation, les gars. Je vous remercie à tous les trois. Si vous voulez, on termine l'émission dans les coulisses, les gars, n'hésitez pas, ouais, à faire point d'exclamation Discord. Le meilleur CTS que j'ai vu à ce jour, bah, ça fait plaisir. Les gars, les viewers, tout le monde, tous les gars de la commune, tout, ça fait extrêmement plaisir. Ouais, merci les à gars tous. D'avoir été là. Merci à tous. Vraiment merci top. Au soutien, merci au sub, merci au follow, merci pour adieu tous Sophie, les gars. Ouais.
Merci pour les anciens qui venaient plus trop mais qui reviennent, ça fait extrêmement plaisir les gars. Merci Jake, encore un CTS de qualité. Un award quand même, on fera les awards. Je plains ceux qui croyaient que Sophie était belle. Merci la régie qui a assuré de ouf pendant tout ça. Ça faisait un moment qu'on avait plus stream, ça s'est bien passé. Encore merci à tous les gars. On se rejoint si vous le souhaitez dans le Discord, dans les coulisses. 200 subs ce soir les gars, c'est propre. Dragon qui envoie les stats. Oh les mecs. Bisous à tous les gars. Et on se capte pour le prochain CTS. Merci à Rafi, merci à Rajquit, merci à Massalian. Allez, merci à tous. Ciao les gars, à bientôt. Ciao, ciao. Area 18. 2949. Things were changing. You could feel